Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naase, Venasliar, Shiniske, Lagdil, Torah, Ule Adira, Betachlit, Shaliran, Shamayim. On dédiera ce soir le shiur pour la refoua, Shlema, de tous les malades d'Israël, Biflalam, Meira, Anaelet, Perla, Jasmine, Bat, Nathalie, Anna, Elna, Refanala, Betorch, Arbeni, Israël, ou Biflalam. D'abord, je ne vous ai pas donné la date, ce soir on est le mardi 15 du mois de mai et le bête du mois, le guimel déjà, puisqu'on est le soir, du mois de Sivan. Guimel du mois de Sivan. Moret Mekdosha, Batora, Haya, Bat Miriam, Sarah, Talia, Bat Ufrat, Miriam, Samfa, Joana, Bat Shemesh, David, Chaim, Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim, Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Ufrat, Bat Arlet, Wika, Rivka, Asher, Stéphane, Men, Moshe, Jami, Sarah, Gisèle, Bat Louise, Léa, Bat Kimcha, Deri. יוסף ג'רר בן ג'ולי, מיכאל בן לאה, יהודה בן אליהו סייד, ג'ואל מרים בת שרה אורה, בת מרים זוהרה אדל, בת לטיסיה שרה חיים אהרון לב בן רבקה, רפת יהודית בת יעל בת רות, מורגן פרלה רוחה לבת ניילי אנה לוסקי, אסתר בת לואיזה זוויזה, אסתר בת שרה לבית בן זקן, לעילוי נשמת מזל בת יפעתיה, מסעודה ביביאן בת מסעודה, פליקס בן אסתר רבקה Bat Myriam Partouche, sans oublier Shmuel Sami Ben Elisa et, ton, et ta maman. Rachel Bat Fortuna, Oufren, et toi Shlema, l'élève Elfab Danin pour Céline Guevara Bat Rachel. D'accord. Et toi Shlema pour Zelman. Ah, un bébé. Menchoulin. Kolam Israël, Kedushim, Be'ezrat Hashem. Tov, ce soir, on va parler d'un sujet rasra. Donc, ceux qui ne veulent pas des sujets rasra, changez de chaîne dès maintenant. Pourquoi c'est rasra? Parce que tout ce qui est véridique et tout ce qui est important nous engage vers des directions qui sont donc automatiquement rasratiques, puisque ça m'oblige. Par exemple, tu donnes une tzedaka. D'accord ? C'est pas rasra. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as donné la tzedaka, attends, je ne dois plus rien. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est top. Une fois que tu as mis les tefillin, tu as mis les tefillin. Alors tu as donné, allez, une heure de ta vie dans la matinée, tu as mis les tefillin. Toutes les mitzvot de la Torah sont comme ça. Le Shabbat, ça dure 25 heures. Tu as fait Shabbat, bon, tu as 6 jours pour aller au parc te promener avec ton mari, ou faire ce que tu as envie de faire, ou fumer ce que tu as envie de fumer, peu importe. Aval, le sujet de la tzniut, puisque ce soir, ma femme a appelé le cours. Habiller son corps pour mieux dévoiler son âme. Donc bravo pour le titre. C'est rasra, hein. Donc je répète le titre avant que vous restiez assise. Habiller son corps, habille ton corps pour dévoiler son âme. Donc on va parler de la pudeur. Et pourquoi la pudeur est-elle une situation délicate et embarrassante pour les hommes et surtout pour les femmes? Parce qu'elle oblige 24 heures sur 24. C'est pas une mitzvah que tu l'as fait, tu vas respirer le lendemain pour la refaire. Quoique Chasvei Shalom, qu'on en vient de dire, ça y est, je l'ai fait, je m'en suis débarrassé, on ne se débarrasse pas des mitzvot. Aval, la mitzvah de la tzniut, de la pudeur, renferme en elle quelque chose de très délicat, parce qu'elle est 24 heures sur 24 de ta naissance jusqu'à ta mort, non-stop. C'est pour ça que c'est un sujet un petit peu délicat. Alors on en a pour une heure et demie de cours, je vous le dis dès maintenant minimum, j'espère que j'aurai prêt à tout faire. J'ai un peu travaillé quand même sur ce cours pour ne pas répéter ce que j'ai répété dans d'autres cours. Ksat l'Echadesh et Ta'inyanim. Et les Fichach, il y a deux choses pour lesquelles je voudrais faire une préface à cette situation de la pudeur qui est l'essentiel, je dirais plus que ça encore, qui est la racine de tous nos commandements. C'est-à-dire que si on n'est pas pudique, je donne un exemple qui va peut-être vous faire sourire. Imaginez qu'un rab vient vous faire un cours ou une rabbanite qui vient en débardeur. Là, tout le monde a le sourire. C'est qui ? Lui, elle, peu importe. Imagine maintenant que je vienne en tricot vous faire un cours. C'est bon, il est sympa, qu'est-ce qu'il va raconter comme blague? Ça veut dire qu'il est évident, ou en short. Il était, comme une fois j'étais à Los Angeles, on m'a dit, tiens, voilà le rabbin. Et je vois un mec venir avec un short rose et un petit t-shirt sans kippa. Je dis, ben ma choute, c'est pas un rabbin, c'est Robin des Bois. C'est un réformiste, homosexuel. Et je lui dis, comment vous appelez ça un rabbin? Comment vous mélangez ça avec le domaine de la Kdusha, de la Torah? Mais Khilem, Kol HaKavod, je ne sais pas que je le juge.
S'il est ce qu'il est, je ne juge pas, mais ne dis pas que tu es rabbin. C'est ce que tu es en train de dire. Et gentil ce monsieur, on ne juge personne, mais ne te donne pas des titres qui ne vont pas avec ta personnalité. C'est-à-dire, c'est comme le mec, il a touché une fois un ordinateur, il dit « je suis technicien en ordinateur ». Pourquoi technicien ? Faire des études. Ce n'est pas parce que tu connais un peu l'ordinateur que tu vas t'attribuer des titres que tu ne mérites pas. Tu as une théouda, tu as fait tes preuves, c'est une conduite. Alors, sachez que la tsniout, elle, se trouve à la base de tout notre judaïsme. Ça veut dire que si on fait une évolution dans le monde de la Torah, mais qu'on n'a pas endurci, ou plutôt accordé avec nous, la base de notre ascension vers le monde d'en haut, notre tsniout va donner toute l'ampleur et la beauté à l'expression de ce que je vous expliquais tout de suite après. Ce qui fait que, qu'on comprenne bien, dans le judaïsme, pourquoi nous avons été choisis parmi tous les peuples ? Réponse du Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, parce qu'on est un peuple pudique. Nous sommes un peuple pudique. On est un peuple humble. On est un peuple qui ne montrons pas à un tel point que quand on prend le métro quelque part, on n'a pas de problème de cacher notre Magen David ou Rav, j'enlève ma kippa pour aller dans la rue parce que faut pas provoquer, faut pas... Toutes sortes de... on est pudique. Des fois, on est trop pudique. Des fois, c'est trop le côté tata. Faut... Comme j'ai dit ce matin dans mon chiot, il est temps qu'Israël relève bien la tête et qu'on montre bien aux nations du monde qu'on est légitime et qu'on est en légitime défense et que quand on dépasse des barrières, eh bien c'est le cas de le dire. Il ne fallait pas dépasser la ligne rouge. Sinon, tu as affaire à une situation désobligeante. Pas faire de guerre sans verser de sang, tout comme on peut faire d'omelette sans casser des œufs. Pas non plus, tiens, prends une arme et tire de l'eau avec. Pas. Mais la reine, ici à Talishmaya, que Dieu protège notre armée qui passe au-dessus de la tête pour arrêter des conflits qui sont très importants pour notre sécurité grâce à Dieu. C'est un travail de fond. Donc la première des choses à retenir, c'est ce travail si important, ce travail que toutes les femmes ont particulièrement à assimiler, mais pour cela, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Alors, moi, ce que je vous proposerai ce soir avec l'aide d'Hachem, c'est d'approfondir le sujet de la tsniout dans le judaïsme. N'oubliez pas un détail. Du début à la fin de la Torah, toutes les personnes bibliques qui apparaîtront dans la Torah ont réussi leur vie et la Torah nous dira pour quelle raison. Incroyable. Incroyable. Pourquoi est-ce que Ève a-t-elle été renvoyée du Gan Eden? On ne perd pas de temps parce qu'elle a manqué de pudeur. Donc, elle a manqué de pudeur, elle a fini par se marier avec le Nahash, avec le serpent. On avance. Quand on arrive à Sarah, qu'est-ce qui a fait de Sarah? Quelle est devenue Sarah Imenu? Sarah, notre mère à nous. Ça veut dire la première source énergétique de pureté dans le monde qui va engendrer Ma'asavot Siman Abani. L'action des pères se répercute dans les générations. Ouais, c'est sa pudeur. Qu'est-ce qu'il va faire de Rivka? Vatitkas Rivka. Rivka, c'est couvert. La Torah, tout de suite, elle le stipule. Rivka, pourquoi elle a réussi sa vie? Parce qu'elle était pudique. Qu'est-ce qui a permis à Hachem de dire « Et Dieu se souvena de Rachel et de Léa ». Pour quelle raison? C'est marqué dans la Torah, ne cherchez pas. En noir sur blanc, il n'y a pas besoin de Rashi, il n'y a pas besoin de commentaires. Noir dans la Torah, sur blanc, c'est marqué. « Kit noa » parce qu'elles sont pudiques, Dieu se rappelle des gens. Très intéressant. Et vous ferez ça pour toutes les filles d'Israël. Qu'est-ce qui a apporté la Géoula? Pour quel mérite on a eu ça? On en reviendra dans les textes. J'ai pris plein de textes à vous ramener. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut réveiller le regard d'Hachem bienfaisant sur nous? Davka, c'est la pudeur des femmes. Le fait que les femmes soient pudiques. Et donc, cette énergie est si positive qu'elle n'a pas de temps à perdre avec le monde d'ici-bas. Je le dis clairement. Ce n'est pas la peine, mesdames, de vous poser la question, je ne comprends pas, je mets le kissou, j'ai les jupes longues, je fais la Torah, je fais les mitzvot, je fais... Et je ne vois pas de résultat dans ma vie. Non, tu n'as pas de temps à perdre avec le monde éphémère. La tsniout est d'un tel niveau, c'est comme si que moi, tu me donnes un flan. Je peux te donner tout ce que tu veux. Le flan, c'est pour moi. Le créateur du monde, il te dit, la tsniout, elle est pour moi. Je ne la donne pas pour le monde d'en bas. Donc, n'attendez rien de votre tsniout sur Terre comme résultat de vos efforts. Tout le salaire que vous avez gardé à 100% pour le monde futur. Tellement c'est berumo chez Lola. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de poser la question, genre, je ne comprends pas, je suis pudique, je fais ça, ça ne sert à rien. Non, non. Ce n'est pas que ça ne sert à rien du tout. C'est que les madabardomé, c'est comme un homme qui va avec son fils de 5 ans à la banque, il sort de son sac des liasses d'argent, il les donne à la pkida, à la caissière. Ouais. Et le fils, il dit à son père, mais papa, pourquoi tu lui donnes tout ton argent à celle-là? On ne la connaît même pas. Alors le père rigole, il dit à son fils, mais non, elle travaille pour mettre l'argent sur mon compte.
on ne lui a rien donné à elle. C'est ce qu'il dit le Créateur du monde. Dès qu'il y a des mitzvot qui sont d'une importance capitale, soit la racine de notre existence, le Créateur du monde devient comme une caissière qui prend toutes ces mitzvot et les met sur ton compte, les hâtis de l'avant. C'est-à-dire que le salaire de la pudeur se découvrira dans une lumière et un bonheur intense selon les chachamim d'Avka dans le monde futur. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des résultats extraordinaires dans le monde d'en bas. Al zeneemar, ochel mitperotem ba'olam hazeh va'keren kayemet lo la'olam haba. Il mangera quand même du fruit de ses efforts sur terre, mais le capital lui est réservé 100% pour le monde futur. C'est pour ça que c'est une des mitzvot les plus difficiles et les plus redoutables des 613 mitzvot de la Torah. Parce que c'est un engagement. Imaginez qu'un homme, il a la kippa noire, il a les, ou tsruga, peu importe, je veux dire, il est religieux, et il a envie d'aller à la plage dans son coin, qu'est-ce que tu fais un religieux parmi des femmes dénudées? Tout de suite. Ou une femme qui a le kissouille, qui s'est engagée à le mettre, et elle descend dans des endroits où ce n'est pas fait pour le monde religieux. Tout de suite, on la regarde, on dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est-à-dire, est porté ce symbole exigé par le Créateur du monde dans la création du monde, on va expliquer pourquoi. C'est un engagement qui nous engage, nous personnellement, nous familialement, nous socialement, et surtout nous à travers les autres. À un tel point que quand on a le kissouille, on n'a même pas le droit de faire une seule erreur. Ah ben dis donc, hein, vous devriez enlever votre kissouille, madame. Ok, j'ai peut-être fait du hachonorage, j'ai glissé, je ne suis pas bien en ce moment. Ouais, enfin bon, quand on a le kissouille, ma pita. Quand on a le caveau d'avoir le kissouille, on a le droit de se tromper. Ce qu'il faut simplement, c'est reconnaître ses erreurs et demander pardon. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. La reine, c'est local. Toi aussi, tu me prends en photo. Tu sais qu'à Paris, à Lyon, partout où je vais, attends, je t'explique, à Jean-Lépin, j'étais à Jean-Lépin. Ah, j'ai oublié de te dire, Sandrine, le Voum-Voum, Met, c'est devenu le village. Bon, on ne va pas faire une tête sur le Voum-Voum. Là-bas, j'ai fait les tahanounim hein, devant la boîte. Non, je disais que tout le monde me prend en photo en ce moment, même la police. Je roulais à 150, ils m'ont pris en photo. Je dis, même vous, Zeksh. Non, c'était une blague. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention à l'état d'âme. Ça veut dire que n'oubliez jamais que notre Torah s'adresse à des humains. On ne peut pas être un robot de la vie. Et non seulement on ne peut pas l'être, mais Dieu ne le veut pas. On n'est pas des robots. On n'est pas, oui, bien, je fais, je... Non. Le Créateur du monde veut le dialogue. Je vous l'ai déjà expliqué 100 fois, nous arrivons à la fête de Shavuot. La Torah, c'est quoi? C'est le dialogue. C'est le dialogue qui s'ouvre du côté du Créateur du monde vers nous. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous n'aurez pas de. C'est-à-dire? Mais tout se négociera dans la Torah, dans la halakha, les machloket, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que la Torah est un dialogue. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, malheureusement, on est dans une génération où il y a beaucoup de problèmes psychologiques. On va pas revenir sur ce cours, on en a parlé à maintes reprises. Et la pire des choses qui puissent arriver, c'est le divorce de l'âme et du corps. Chiour qui existe déjà sur le site, vous pourrez aller le voir. C'est-à-dire d'extérieur, je montre une vitrine et mon intérieur est opposé à cette idéologie. Je ne le vis pas. Je ne vis pas ma tzniout, je ne vis pas cette Torah, je ne vis pas mes mitzvot, j'ai du mal à le vivre. Il y a quelque chose qu'il faut absolument toujours analyser chez nous. C'est pour ça qu'il faut toujours avancer doucement dans la teshuva. On ne commence pas à jouer la mode, ma copine a fait teshuva, toi aussi, alors venez, on fait toutes teshuva. C'est des drôles de dames et ils m'ont plus que Charlie, tu vois. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. De l'autre côté, il faut avancer dans la vie. Kedoshim, Tiyu. Alors là, ce que je vous ai préparé. Au sein, je vais nous expliquer que la vraie pudeur vient d'abord du fait que la personne ressent que sa vie est très importante, voire riche au point de vouloir la cacher. Je répète. À qui peut réellement s'adresser le cours sur la tzniout? Ça veut dire quelqu'un qui voudrait sortir d'un cours pareil et de prendre sur lui les obligations de se couvrir et de. Les sages nous disent qu'au niveau psychologique, il y a une préparation à avoir. En général, qui n'a pas envie d'être pudique dans l'absolu? Alors prenez le temps de réaliser ça parce que tout de suite, il y a des femmes qui sont très féministes, 1969, ouais, 68, ouais, on va t'écrire du courrier. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pense la Torah et je m'en fiche de ce que je pense aussi, Nerech Hagar. Je m'explique. Quelqu'un qui, selon les Chachamim, pas moi, ne donne aucune importance à sa vie ou n'a pas assez de valeur à ses yeux, lui aura toujours un énorme problème à vivre son judaïsme. Pourquoi? Donc quelqu'un qui ne s'aime pas.
Parce que quelqu'un qui vit en harmonie avec lui-même, qui s'estime, par exemple, maintenant, imaginez que je prenne une liasse de 500 euros, soit il y a maintenant dans cette liasse 100 000 euros. Vous allez sortir dehors. Où vous mettez cette liasse, s'il vous plaît? Vous avez 100 000 euros en billet de 500 euros. Je vous pose une question bête, hein, il n'y a pas besoin de réfléchir ou à liasse, c'est quoi le piège? Où est-ce que vous allez mettre cette liasse de 100 000 euros en billet de 500? Est-ce que madame, vous sortiriez une fraction de seconde avec ça dans la main? Ah non. Ben non, pourquoi? Les gens vont se dire, ou elle est folle, ou c'est des faux billets, ou alors... Ou elle est folle, ou, alors, ou c'est une fausse poitrine, pardon, des faux billets. Mais, c'est exact. Mais si, au contraire. Pourquoi, madame, vous allez mettre de façon tellement évidente une liasse de 100 000 euros dans votre sac? Pourquoi? Tout le monde va le cacher parce que ça a de la valeur et que vous n'avez pas envie qu'on vous le prenne. C'est ça la réponse. C'est-à-dire que quand tu sors avec quelque chose d'une valeur inestimable, ta conscience d'avoir 100 000 euros a déjà calculé tout ce que tu vas faire avec. Donc, je ne veux pas perdre un seul billet. Qu'est-ce que je vais le faire de façon naturelle? Je vais le cacher vis-à-vis du regard des autres. Hop, 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 hop. Personne n'a besoin de savoir. Et madame, si quelqu'un vient vous dire qu'il vous connaît bien, qu'est-ce que tu as caché dans ton sac? Qu'est-ce que vous lui répondez? T'as pas besoin de savoir, rien. Comme ça, avec les sourires, rien. Ou alors quoi? Ça vous regarde pas. C'est exactement ce qu'expliquent les Chachamim. Si ta vie a de la valeur, au point que tu l'estimes à un minimum de 100 000 euros, tout comme tu vas le cacher, de la même façon que tu vas cacher ta propre vie, ton propre corps et ta propre existence. Pourquoi? Parce que je vis tellement bien ma vie, j'ai tellement de valeur à mes yeux, que je n'ai pas besoin de m'exposer. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise « Ouah, t'as maigri, ouah, t'es belle, ouah, t'es ceci, ouah, t'es cela. » Je n'ai pas besoin de ton regard. Parce qu'à mon regard, je vis bien ma vie. Mais si moi, je vis mal ma vie, j'ai besoin d'être encouragé psychologiquement à mon existence. Donc, j'ai envie de me retrouver dans d'autres domaines de façon à ce que, quelque part, je puisse exister au niveau de la valeur qui m'est estimée par les autres. Et ça, vous le vivrez de façon naturelle. À la maison, on est fichalé. On va en mariage, on est petit boup. Boup. Ça veut dire que quand on sort dehors, on prend les photos, on a envie d'être. D'accord? Les plus belles femmes d'Israël sont citées dans la Torah. Que ce soit Chava, Rachab, Sarah Eminou, soit Esther, Abigail, elles étaient toutes cachées. Aye ishtecha Sarah, Baoel. Une femme qui aurait la beauté de Sarah, il faut comprendre que toutes les femmes après Sarah qui sont nées après elle sont considérées comme des singes à côté de sa beauté à elle. Tellement Sarah était d'une beauté sans pareil. Ouais. Et à côté de Ève, même Sarah ressemblait à un singe. Tellement Ève était belle. Mais où est-ce qu'elle était Sarah? Baoel. Comment se fait-il que Sarah n'ait pas eu cette idée que beaucoup de femmes ont, dès qu'elles sont belles, elles veulent faire mannequin et elles ornent comme ça les murs de l'autoroute avec des parfums, avec des décolletés, avec le dernier short, dernier cri de la mode, et en train de se montrer comme ça, aux yeux de tous. L'âme. Parce que quand on est beau, on a envie de le montrer. Les sages nous disent pas du tout. Ce sont des gens qui ne donnent aucune importance à leur existence. Ça veut dire quoi? Le bonheur dans le judaïsme tel que Dieu l'a créé se vit dans le cachet des choses et non pas dans le dévoilé. Dougma. Si tous les cailloux étaient des diamants et que tous les diamants étaient des cailloux, qu'est-ce qui aurait le plus de valeur d'après vous aujourd'hui? Le caillou sera appelé le diamant. Qu'est-ce que c'est un diamant? C'est un caillou transparent. C'est tout. Mais comme il est rare, alors il a beaucoup de valeur. Dougma. Ayama Asé. D'un homme qui avait acheté deux timbres d'empereur de Chine, je ne sais pas de quelle année, qui étaient d'une valeur inestimable. Seulement, cet homme-là n'a pas réussi à le vendre. Il avait deux timbres, c'était les deux derniers timbres d'un empereur de Chine. Il n'a jamais réussi à le vendre. Il est parti voir le rabbi. Son rabbi, à l'époque, était en Russie. Il lui dit, voilà, j'aimerais vendre mes timbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, combien tu en as? Il lui a dit, il me reste les deux derniers. Il lui dit, apportez-moi. Il lui a apporté. Il a pris un timbre, il l'a déchiré. Devant tout le monde. Il l'a jeté à la poubelle.
Il lui dit, maintenant, tu vas le vendre. Effectivement, il a vendu 2 millions de dollars. L'âme. Il lui a dit, tant qu'il y en avait un autre, il n'avait pas assez de valeur. Maintenant qu'il est unique, alors il prend toute son ampleur. C'est quand les choses deviennent uniques, quand les choses sont cachées, quand les choses... Pourquoi vous n'avez pas resté debout? Il y a des bien plein de chaises. Non, non, non. Non, non, mais il y a des chaises, madame. Oh, pas chaise. Prenez une chaise, asseyez-vous. Un petit café. Mais la reine, si ta vie, voire importante ou riche, qu'elle ressentit le besoin donc de le cacher. Et vous verrez dans votre vie, prenez vos enfants. Quand votre enfant, on le regarde une fois, deux fois, trois fois, et que, tac, il a un problème. On le regarde d'un coup, hop, il a des boutons qui sortent. Naturellement, vous allez faire quelque chose de bizarre. Vous allez tirer le capot de la poussette et lui mettre quelque chose dessus. Comme ça dit Ben Ishraï. Pourquoi ? Pose pas trop les yeux sur mon fils, sachant qu'on le regarde, on lui met l'œil. D'accord ? Pérouche Adavar, que quand on veut donner de la valeur, comment on sait qu'une chose a beaucoup de valeur quand elle est cachée ? Si tu vois une maison dont la porte est ouverte, en général, le voleur ne rentre pas. Pourquoi ? Parce que tout ce qui reste à porte ouverte, automatiquement, exprime qu'il n'y a rien à voler. C'est pour ça qu'on dit, oh là là, t'as oublié de fermer la porte. De toute façon, il n'y a rien à voler chez moi. Mais si par contre, le voleur, il voit une porte blindée avec plein de serrures, automatiquement, psychologiquement, qu'est-ce qui se dit dans la tête ? Et qu'est-ce que tu as à cacher de si grand pour avoir mis autant de verrous ? Donc celui qui veut exister, à travers le fait de se montrer constamment, psychologiquement, c'est quelqu'un qui, même s'il est religieux d'extérieur, ne vit pas son judaïsme. Parce qu'il vit mal sa personnalité. Il vit mal le créateur qui est en lui, en d'autres termes. Il vit mal son judaïsme. Il manque de connaissances et il manque d'approche de lui-même. Il ne vit pas en harmonie. Zema Shekatou. Car les richesses de la pudeur viennent définir la valeur réelle de ce qui est caché en moi. Car plus une femme va se cacher dans son façon de s'habiller et d'exister, plus elle viendra d'une façon extérieure exprimer qu'elle a une valeur très importante. Puisque j'ai besoin de cacher des choses qui ont déjà de la valeur à mes yeux. Si je me cache, c'est que quelque part, j'estime qu'à mes yeux, j'ai de la valeur. Et en général, même dans le commerce, tu ne peux vendre à autrui que ce qui a de la valeur à tes propres yeux. Mais si tu as un vendeur qui n'a aucune valeur pour ce qu'il va te vendre, il n'arrivera pas à te vendre sa marchandise. Beotamida, une personne qui n'a pas de valeur à ses yeux, c'est marqué noir sur blanc dans le Midrash, nous étions, quand les Meraglim sont rentrés en Israël, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Chazal disent, c'est parce que vous vous êtes vus, vous, comme des sauterelles, qu'ils vous ont vus comme des sauterelles. C'est quoi la colline ? Tandis que de se dévoiler viendrait à convaincre que tout ce que j'ai de plus beau, eh bien, je le mets devant. Car je n'ai rien à montrer, ou plutôt, je n'ai plus rien à cacher que ce que je suis. Pérouche Davar, que d'être dénudé selon les Chachamim, c'est de dévoiler ce qu'on avait de plus beau à donner à celui qu'on voulait aimer, à son mari, à sa propre vie ou à son créateur. C'est Pérouche Davar. Mais même Shichim Vomrin, cacher son corps permet un cadeau extraordinaire. Le fait de cacher son corps a pour effet de pouvoir dévoiler l'âme. Alors vous allez comprendre tout de suite. Vous savez que tout ce qu'a fait Hachem, s'il nous le dit dans la Torah, c'est pour qu'on lui ressemble. Faites ce que je fais moi. Je suis pudique. Est-ce que Dieu se montre toute la journée? Est-ce que Dieu dit, tu sais que c'est moi qui te fais battre le cœur dans la poitrine? Non. Est-ce que c'est Dieu quand tu fais un contrat qui te dit, tu sais que c'est moi qui t'ai envoyé le client? Hachem, Zanum, Farnes, la colle? Non. Est-ce que Dieu, il te montre que ton chidour, c'est lui qui te l'a fait? Est-ce qu'il vient à la roupa en disant, allez, 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 vous voulez Kapaïm pour moi? C'est moi qui ai mes avec Zivugim, c'est moi qui marie les couples? Non, Dieu est extrêmement pudique. Extrêmement pudique. Il te dit, tout comme moi, je suis pudique, je ne me montre pas. Je passe même par des... Qui c'est qui a reçu tout le kavod de la Torah? Torah, tiva, lanou. Le kavod, il a donné à Moshe. C'est même pas pris pour lui. Il a appelé la Torah au nom de Moshe. Alors que c'est à qui la Torah? C'est à Dieu. Moshe. Et la reine Omer. Beota Mida, quand tu étais dans le Gan Eden, tu avais une âme qui était tellement grande que même les anges ont cru que tu étais Dieu. Ils t'ont appelé comment? Elohim. Et tu leur as dit, non, 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 je ne suis qu'une créature du Créateur. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a caché ton âme. Si le Créateur du monde cache ton âme, il lui a fait un vêtement de peau, c'est parce qu'il attend de toi que tu suives le même système. Parce que le vêtement de peau
vient recouvrir la honte de la faute originelle. Avant la faute, ils n'avaient pas honte. Velo it bocheshu. Pourquoi? Parce que tels qu'ils étaient au niveau de l'âme, ils exprimaient la valeur la plus incachable de la personne. C'est l'âme. Ce qu'on recherche dans une femme, en général, Agmara nous dit, quand tu vas faire un shidour, trouve une femme avec des yeux remplis de chesed. Pourquoi des yeux remplis de chesed? Parce que la fenêtre de l'âme, c'est les yeux. Et ce travail que nous avons, c'est pour ça que les yeux regardent vers le ciel. Vous savez ça? C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un de face, vous le voyez à l'envers. Il y a un effet d'optique au niveau de l'œil qui transmet cette image à l'envers vers le haut. Alors, tu revois au niveau du cerveau, à l'endroit, l'image. Demandez à un opticien, vous l'expliquera clairement. C'est-à-dire, il y a un travail qui est fait où le regard remonte vers le haut. Pourquoi? Parce que l'œil appartient au créateur du monde. Ça appartient à la fenêtre de l'âme. Le Rhin dit ici, car celui qui vit, qui est sa vraie beauté, car la seule beauté, pardon, qui existe dans le monde tel que Dieu l'a créé, comme l'a dit le roi Salomon, « Akol hevel avanim », tout est vanité des vanités, c'est la beauté de l'âme qui, celle qui est spirituelle et reste constamment éternelle, « Chelek eloka mima'al ». Ça veut dire que la tzniout, la pudeur que nous avons, de nous habiller pudiques au niveau du corps, va permettre un contraste de la vie où l'âme va pouvoir s'exprimer à travers justement ce qui a été caché. Et c'est la plus grande valeur qu'on puisse trouver chez nous. Comme le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est écrit sur du parchemin. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un Sefer Torah en parchemin, vous? Où est-ce qu'il est, le Sefer Torah? Il est dans un habit. On lui met une chemise, on le met dans la boîte, on le ferme, et il est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a plus vrai que la Torah? Non. Est-ce qu'il y a plus pur que la Torah? Non. Est-ce qu'il y a plus beau que la Torah? Comment s'appelle l'ange ministre de la Torah? Il y a fait. Donc tout ce qu'il y a fait doit être automatiquement caché. Et la reine, ce dévoilement spirituel ne peut exister qu'à travers la pudeur de celui qui la cache. Ça veut dire que si elle n'est pas cachée, c'est comme un fruit. Imaginez maintenant que je prends une orange ou une banane. Ça donne? Prends une orange. D'accord? Je lui enlève sa peau. Ça veut dire son épluchure. Comment on appelle ça? Sa clipage, pas en français? Sa peau. Je lui fais la peau à l'orange. Ça donne? Et je laisse cette orange, reviens le lendemain. Est-ce qu'elle est consommable? Qu'est-ce qui va se passer chez elle? Elle va s'assécher tout de suite et le goût du sucre disparaît automatiquement. Donc je vous pose une question simple. Dans la nature telle que Dieu a créé la nature, qu'est-ce qui permet à la nature de pouvoir exister à travers les saisons et garder toute leur saveur? C'est quoi? C'est leurs habits. Dès que tu as des habits, tu gardes toute ta ferveur d'âme. Dès que tu te dénudes, ton âme commence automatiquement à s'assécher et perdre le goût. Yotze et misé, ça veut dire sort de là quoi? Quelque chose d'incroyable. C'est qu'au niveau de ta personnalité, il y a quelque chose qui va commencer à chuter. Chuter, au point de perdre ta propre existence, ta propre valeur, où ton âme s'assujettit au désir de ton corps. Ça veut dire qui est l'esclave de qui? Les Mekoubalim, ils disent que quand quelqu'un n'est pas pudique dans ce monde, il force son âme à obéir à son corps. Mais quand la personne est pudique, ça force l'âme à respecter, c'est-à-dire le corps, à respecter les convictions de l'âme. Ça veut dire qu'une fois, encore une fois, on parle ici de la choresh, de la racine de toutes les mitzvot de la Torah. C'est une racine. Mais la reine, plus il y a de dévoilement de la Shrina. Alors ici, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que, normalement, selon certains commentateurs, plus il y a de dévoilement de Dieu, et moins, quelque part, c'est bizarre parce qu'il y a un contraste qui paraîtrait complètement opposé, mais plus il y a un dévoilement d'Hachem, et moins on a besoin de faire attention au guéder de la Tzniout. C'est bizarre. Plus il y a Dieu, plus je me couvre. Ouais, il dit non. Par exemple, d'où est-ce qu'on apprend ça, Midoraita? Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient comment dans la Torah? Nus. Pourquoi ils étaient nus? Parce que le Yetzer Hara ne peut pas s'exprimer. Parce que Dieu était présent. Et quand Dieu est présent dans ta vie, le bonheur de vivre Hachem est tellement grand que tu n'as pas de temps à perdre avec tes hormones, tes convictions, tes pulsions, ton Yetzer Hara. Prenons le cas du premier temple. À l'époque du premier temple, selon une avamina de la Gemara, il paraît simple de comprendre qu'à l'époque du premier temple, les hommes et les femmes n'étaient pas séparés. C'est bizarre. Pourquoi?
Parce qu'il y avait 10 miracles à cette époque qui étaient si grands et si flagrants. C'est pas, ce que je viens de dire n'est pas, c'est pas scellé. Il y en a qui disent comme ça. Quand le roi réunissait le peuple d'Israël pour leur lire la Torah, il n'y a pas marqué nulle part qu'on séparait les hommes des femmes. Imaginez une synagogue, Chas Vesharim, où les hommes et les femmes seraient ensemble. C'est impensable. C'est interdit d'ailleurs. Mais pourquoi c'est impensable et c'est interdit? Eh bien parce qu'il y a tellement d'absence divine dans notre monde, c'est-à-dire tellement de clipotes, que le créateur du monde est obligé de s'éloigner. Et plus on s'éloigne, et plus ce qui va pouvoir rapprocher Hachem, c'est la pudeur. Donc automatiquement, si on revient à ce qu'on vient de dire, à l'époque du premier temple, ouais, eh bien on ne faisait pas tellement attention au domaine des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que la présence divine représentait un tel bonheur que quand tu es vraiment heureux de ta vie, que tu vis avec Hachem, tu ne recherches pas ton bonheur dans Facebook ou dans toutes sortes de trucs. Regarde-moi comme je suis belle, j'existe, t'en prie, je suis là. Parce que tu es tellement heureux que tu n'en as rien à faire de tout ce que pense ton entourage. Parce que tu vis une lumière qui représente ta vie. Par contre, à l'époque du deuxième temple, oulala, regardez ce qui marque le Mishnah Berurah, cinquième volume. On a envoyé des flics pour séparer les hommes et des femmes dans les champs avant de venir à Shalosh Regalim, les trois fêtes. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y avait tellement de Yetzer Hara. Au deuxième temple, cinq miracles avaient disparu et l'absence divine était très amoindrie. Donc, qu'est-ce qu'on cherchait comme bonheur? Le bonheur de la chair, le bonheur du plaisir. Plus la présence divine est grande, moins on a besoin de se protéger. Prenons un exemple. Aujourd'hui, les minagim pour les mariages. De séparer les dents, c'est une obligation. Ce n'est pas négociable dans le judaïsme. Les tables, c'est un minag. Très bien. Mais aujourd'hui, d'après vous, c'est un minag ou une obligation? Pourquoi ce serait une obligation? Parce qu'avant, à l'époque de nos parents, plutôt nos grands-parents, parce qu'à l'époque de nos parents, c'est dynastie d'Allah, Sachem Michon, Virachem. On a commencé à se dénuder. Mais à l'époque de nos grands-parents, prenez les photos de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Comment ils étaient habillés, vos mères? Quand on t'asseyait à un mariage ensemble à la table, ça n'existait pas qu'un homme il vienne trop parler avec une femme. Ça n'existait pas une femme, elle venait en décolleté, mais ça n'existait pas. Sachez-le, regardez les photos de vos grands-parents, ça n'existait pas. À cette époque-là, de s'asseoir à la même table, il y avait tellement de crainte du ciel. D'ailleurs, quelle différence il y a entre les religieux d'aujourd'hui et les religieux d'avant? Vous savez la différence? Au niveau Torah, on les a battus à pleine couture. Aujourd'hui, la Torah qu'on a, elle est un milliard de fois plus élevée que la Torah de nos grands-parents. Ils sont inexistants à côté de nous. On est devenus des techniciens du Talmud, de la Gemara, de la Halakha, de la Agada, on était Mahloket, et selon le Rav, et attention, je connais tout. On ne leur arrive pas à la survie avec toutes les connaissances qu'on a. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient une chose que nous, on n'a plus aujourd'hui. Et eux, ils avaient l'essentiel. Nous, on a la connaissance, et eux, ils avaient la pudeur et la crainte du ciel. Ils étaient des Haif Rabbi. Ils avaient peur de décevoir Hachem. Notre grand-mère, quand tu venais avec une jupe un peu courte à l'époque, hein, où allez, où tu es comme ça, c'est honteux, on dirait une prostituée, tu n'as pas honte. Tout de suite, elle n'était pas religieuse, même la grand-mère ne faisait pas Shabbat. Tu venais en jupe courte, elle disait, tu n'as pas de honte sur le visage, va t'habiller, ton père il va rentrer, tu es en jupe. Maman, ça va, mémé, elle est au genou. Mais il y a ton père qui arrive, je n'ai pas dit un étranger, ton père. Vous imaginez à l'époque de nos grands-mères, une fille, elle va à la piscine avec son père en maillot de bain et en soutien-gorge et en slip. Vous imaginez ça à l'époque de nos grands-mères? Et ce pendant toutes ces décennies. Quelle différence il y avait entre ces deux générations, où il y a juste une génération intermédiaire qui est celle de nos parents d'aujourd'hui? Il y avait une conscience que Dieu nous regarde. On était conscient que Dieu nous regarde. T'as pas honte de sortir comme ça? Moi, quand j'entends ma belle-mère qui me raconte quand elle était en Algérie, à l'âge de 23 ans, qu'elle devait rentrer maximum à 8h30 à la maison. Et attention, qui c'est le garçon qui t'emmène à 3 mètres de distance? À 23 ans, j'ai dit, hein. Alors qu'aujourd'hui, à 23 ans, la fille, elle est déjà grand-mère. Mais c'est à sa part. De la canomère. Le plaisir de la chair, de chat, dans l'obscurité. Et tout cela nous mènera vers des plaisirs trompeurs, humiliants. Et qu'est-ce que ça nous a mené? Il dit tout simplement qu'on cherchera des plaisirs qui seront trompeurs. Parce que qu'est-ce qu'a gagné une femme qui a été impudique toute sa vie durant? Ok, les cheveux à l'air, les décolletés, elle va au Neptune à la plage, ça j'en ai pas Neptune. Elle va, elle fait ce qu'elle veut, ou le Lucky Beach. Et elle va où elle va. Nous, Bessof ou Sheldavar, les Chachamim ils disent, ça a été une matzav pour elle, Bassov, qui paraîtrait être un plaisir, trompeur, humiliant, emprunt de jeu,
parce qu'on joue beaucoup avec ça, et de fantasmes. Vezé ouzé, choum d'avar de plus. Ensuite viendra, bien entendu, une fois qu'on a travaillé ça, c'est-à-dire ce travail de psychologie, de se dire, Bémet, est-ce que moi, je suis là pour plaire aux autres, ou est-ce que je suis plaît d'abord? Je dois me plaire à moi-même, m'équilibrer moi-même dans mon judaïsme. Une fois qu'on a fait ce travail psychologique, alors on peut passer au cadre de la tzniout. Mais de passer au cadre de la tzniout, les farot minimalites, ça c'est sûr que des fois, il faut mettre des barrières rouges. El malasot. Sans passer par l'intériorité de sa personne en s'aimant avant de faire ce pas, ça risquerait d'être une personne qui vit avec un kissouille, avec des principes, des enfants des Talmud et Torah, je suis religieuse dans ma société, mais à l'intérieur, je ne vis pas ma Torah. Ça veut dire que je ressemble à une belle lampe qui est complètement éteinte. C'est une lampe, mais elle est éteinte de l'intérieur. C'est pour ça que les Rahamim nous mettent en garde en disant que la tzniout, c'est l'intériorité. Et vous allez comprendre par la suite de quoi on parle. La femme a été, comme c'est marqué, prise du tzela. C'est quoi le tzela? Tzela, c'est la côte. La côte de qui? D'Adam Arishon pour les enfants. Et Alpi Kabbalah, la côte de qui? D'Hachem. Mais Dieu n'a pas de côte. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du tzel. Le mot tzela vient de la racine du mot ombre, qui veut dire qu'une femme qui est pudique, donc qui se couvre, est capable de dévoiler l'âme qui est en elle. Et dans la Kabbale, comment on peut savoir qu'on a une âme ou pas? Grâce à l'ombre qui se reflète. Le Harizal nous dit, une personne qui voit son âme, son ombre, se refléter sur le sol, en marchant, « Siman shelo yamut torkedei shloshim yom » Il ne mourra pas dans les 30 jours à venir. Mais si Chas Veshalom, en marchant, il voit qu'il n'a plus son ombre se refléter, c'est qu'on lui annonce qu'il partira d'ici 30 jours. Donc qu'est-ce que... C'est connu. Tout le monde connaît ça. Hein? C'est là que tout le monde regarde par terre. Parce que l'ombre n'est autre que l'expression de l'âme. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. L'ombre, en général, elle est plus grande que notre corps ou plus petite que notre corps? Quand tu marches devant toi, elle est toujours beaucoup plus grande. Quand tu passes, elle devient plus petite. Tout ça, c'est des remazim. Où est-ce que c'est marqué dans la Kabbale? Les Chachamim, ils disent Alpisod, comme l'ancien Rabbi Nachman de Breslev. Quand on dit que la femme, elle a été prise de la côte, c'est pas cet âme de la côte de l'homme dont on parle. Elle a été prise du tsel à Elohim. Ça veut dire que la femme n'est autre que la Neshama d'Hachem dans le monde ici-bas. Et c'est pour ça que, quelle est la prière la plus pudique que nous connaissons tous les jours? C'est-à-dire, la prière a dit à voix basse, la tête en bas, avec pudeur. Ah, j'ai eu peur que vous ne répondiez pas, vraiment. C'est la Amida. Ouais. Quant à Kadosh Baruch Hu, on veut lui demander des choses. Comment il peut nous faire savoir nos réponses? Rabbi Nachman répond à ça. Il dit, Pashut Meod. Va chez ta femme. Et ce qu'elle te dira, si c'est une femme pudique, fais très attention à ce qu'il dit, Rabbi Nachman. Je dis, tu sais, quand je te parle, c'est Dieu qui te parle. On parle de la femme uniquement qui est pudique, qui rachamaïm. Ouais. Quand ta femme qui est pudique te parle, sache que c'est un message d'Hachem. D'où est-ce qu'on le voit? Dans la prière de l'ombre de ton dialogue. Ça commence par quoi, la première phrase de la Amida? Allez-y, dites-le doucement. J'entends pas. Hachem, ça commence par quelle lettre? Adobaï. Aleph. Dites-moi, vous êtes Fataï ou Lalé? C'est Fataï. Deuxième lettre. Bravo. Aleph Shin. Hachem, c'est Fataï. Tiftah. Taf. Bravo. Hazak ou Bagbo. Oufi. Va. Arrêtez-vous là. Hachem, c'est Fataï. Tiftah. Oufi. Dieu ouvre mes lèvres. Oufi, et ma bouche, ça fait les lettres de quoi? Alef, Shin, Taf, Vav, Ishto. Quand vous venez dans l'Amida et que vous parlez à Hachem, vous verrez que les initiales, dans la pudeur de votre prière, font les formes, les lettres du mot ta femme. Ça veut dire qu'à travers ta femme qui est pudique, elle peut enfin devenir le haut-parleur par lequel le créateur du monde peut te parler. C'est pour ça que quand Abraham n'avait pas compris le message, Dieu lui a dit Shma, Bekol, Ishtecha. Je m'appelle Sarah en deux mots. Hachem, c'est Fataï Tiftach, ou Fi, Ishto. C'est pour vous. C'est bien. Alors on va commencer un petit peu à parler des avantages et des inconvénients du corps. Parce que vous savez que tout le inan de la pudeur, je vous le dis dès maintenant pour que vous gagniez du temps,
comme l'enseigne le Ben Ishraï dans son livre Ben Yoyada sur la Gemara de Maseret Shabbat à la page 118. Pour ne pas perdre de temps. Tout le inyan de ce monde, qu'est-ce qui tue le plus un homme selon la Gemara? De quoi meurent le plus les gens? Quel est l'élément qui provoque le plus de dégâts dans la vie d'un homme selon la Gemara? L'aïnara. Tout le monde le connaît. Tous les matins, vous priez pour ça. Enlève l'aïnara de moi. L'aïnara. 99% des gens meurent de l'aïnara. Tout le inyan de la pudeur, explique le Ben Ishraï, est relié à l'aïnara. Tout le domaine de la pudeur, c'est relié à l'aïnara. Pourquoi est-ce que Ève, elle est tombée dans le piège? C'est marqué noir sur blanc. Car elle avait plu aux yeux du serpent. Et le fruit avait plu aux yeux de Ève. Et elle était nue. Qu'est-ce qu'il disait le serpent? La femme de Adam Arishon. C'est non. Donc tout le inyan pour éviter l'aïnara, c'est de couvrir. C'est pour ça que Dieu nous a créé des paupières. Quel est le seul animal qui n'a pas d'aïnara sur lui? C'est le poisson. C'est pour ça qu'un poisson, il n'a pas de paupières. Sauf chez Walt Disney. Mais les poissons n'ont pas de paupières parce qu'ils n'ont pas besoin de fermer les yeux. C'est pour ça qu'il est symbolique d'anti-aïnara chez les Tunisiens. Tu vas chez eux, tu baisses la tête tellement ils te mettent de poissons partout. Ouais. Des perruches d'abord. Des fois, tu parles avec quelqu'un, il a même le poisson ici. Et tu es plus concentré sur le poisson que sur Nemo, que sur lui. Alors, maintenant, si le corps n'est autre que l'étui de l'âme, quelle positivité il y a dans le corps? Je vous ai fait une liste. Yesh lavi ninyan aguf. Il est impératif de comprendre qu'est-ce que le corps. Pourquoi Dieu l'a créé un corps? Les gens te disent, mais si je suis si beau ou si belle, pourquoi ne pas le montrer? C'est une question. Et ça, j'ai répondu à ça, ils disent, ma pitom, bisrout aguf, par le mérite du corps, mais kayamim mitzvot. Quelle différence entre un ange et un humain? C'est son corps. Et grâce au fait qu'il ait un bras droit pour mettre les tuilines sur le bras gauche, Dieu nous a créé un corps. Le corps n'est venu dans ce monde que pour l'accomplissement des mitzvot. Et c'est pour ça que le corps a été fabriqué avec tout le système que vous connaissez, qu'on a déjà dit et redit, que je redis encore à toute vitesse maintenant, du tétragramme. Tout est 26 dans le corps. 26 plaques pour faire une boîte crânienne, 26 os pour faire une main, 13 et 13 côtes pour faire le buste, j'ai 26 os pour faire un pied, j'ai 26 rouliotes, comment on dit rouliotes? Vertèbres pour faire une colonne vertébrale, c'est-à-dire tout est 26 dans le corps humain. Et même la carte d'identité du sang, dans le langage Ben-Léumi, l'oasis, ça s'appelle l'ADN. Les lettres du mot ADN sont les lettres du mot Adenu, Aleph Dané Poutou. Ça veut dire Adobai, Hachem. Nous sommes composés du tétragramme. Au niveau des membres, combien on a de membres? 248. Combien on a de mises positives? 248. Combien on a de tendons qui permettent, les tendons, c'est les câbles. Je lève la main. Qu'est-ce qui me permet de lever la main? C'est mon tendon. Et si j'ai des choses qui sont trop lourdes et que j'insiste trop, je me fais une tendinite. C'est une inflammation des tendons. Voilà. Je me fais une inflammation des tendons. Combien j'ai de tendons dans tout le corps humain? 365. Combien j'ai de mitzvot négatives? 365. Ça veut dire que quand tu regardes un corps humain, tu as un Sefer Torah devant toi. Avec le Yud, c'est la tête, le He, c'est les bras, le Vav, c'est le tronc, et le He, c'est les jambes. Yud, Ke, Vav, Ke. On est composé pour ça. La reine, ils disent, Bisrout Aguf, Nekamim, Meta Mitzvot. Si le créateur du monde t'a créé un corps, c'est pas pour que tu le montres. C'est pas du tout ça l'intérêt de la création de ce corps. C'est pour que tu fasses avec ce corps les mitzvot de la Torah. Deuxième chose, qui Kiurim, Mechapsim, et Hashem, Barach. Ah, qui Ivrim. La deuxième chose, c'est pour obtenir du mérite. Car la peau, en hébreu, s'appelle Or. Et l'aveugle se dit River. C'est la même lettre. Aïn, Vavresh, Aïn, Vavresh. Ils expliquent ici pourquoi Dieu nous a mis donc un étui sur notre âme, afin que notre peau nous aveugle de la réalité spirituelle, pour qu'on ait le mérite d'avoir de l'aïmouna et de croire en Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, à quoi sert notre corps? Deuxième explication, à rechercher Hachem, rechercher la lumière d'Hachem. Si on était sans corps, on serait mort. Et qu'est-ce que fait un mort? Il voit Dieu. Donc il n'y a plus besoin d'aïmouna. Le corps nous permet d'obtenir le niveau d'aïmouna, de rechercher Hachem dans ce monde, parce qu'on ne le voit pas. Donc à travers la Torah et l'étude de la Torah, on pourra retrouver Hachem. Comment?
créateur du monde a déposé sa chotemet chez les hommes sur la Brit Mila. C'est-à-dire que le roi a un sceau, on appelle ça le sceau du roi, et chaque fois qu'on a un garçon, on va déposer le sceau du roi sur le corps qu'on appelle la Brit Mila. C'est grâce à ça que le corps peut devenir kadosh. Quatrième chose, ma'alim et achomer el Hashem. Le fait d'être kedoshim, d'avoir un corps pur, d'aller au mikvé, de faire attention, on va prendre les choses qu'on appelle les molécules qui vont avec le temps et vieillissent à travers l'histoire et de les rendre kadosh, voire éternelles. La preuve en est. Quand vous allez voir un tzaddik, vous allez voir son âme ou son corps? Son âme. Alors pourquoi vous ne restez pas chez vous? Je répète donc la question. Quand vous allez voir un tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez acheter jusqu'à Meron, ouais, Rabbi Meir Bananès, jusqu'à Tibériad, les Avot, jusqu'à Hebron. Pourquoi vous allez jusque là-bas pour aller prier chez eux, Tachlès? Vous allez voir quoi? Le corps ou l'âme? Le corps. Dans l'absolu, oui, parce que là-bas, il n'y a que le corps. L'âme, elle est montée. En réalité, on va voir les deux. Mais on embrasse quoi? La pierre. Pourquoi on embrasse la pierre? Parce que là où le corps se trouve du tzaddik, son corps est aussi kadosh que son âme. La reine, on est obligé d'aller rencontrer son corps pour avoir affaire à son âme. Et qu'est-ce qui a fait de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il ait eu une telle Torah que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plein de 500 000 personnes à l'Akba Omer en 2018. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est impressionnant. J'avais encore rarement vu ça. Impressionnant. En 2018, dans les temps modernes, avec tout ce qu'on a comme modernisme, on était sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, des centaines de milliers de personnes en train d'essayer de toucher sa tombe. Mais c'est du corps. Eh bien, tout simplement parce qu'il a rendu son corps et son âme kadosh. Les inconvénients sont les suivants. C'est mel shel kishalon ve shel chet. Le corps n'est rien d'autre qu'un effet de kishalon, c'est-à-dire d'échec constant et de faute. Le corps veut le monde d'en bas. Et tu essaies de maigrir, tu regrossis. Tu te maquilles, il faut te remaquiller. C'est-à-dire tout ce que tu fais ne reste pas sur le corps. C'est très compliqué. C'est un moment... Le corps demande des soins aussi méticuleux que l'âme. Il faut être constamment derrière. Hop, tu as des poils, l'esthéticienne. Tu as les ongles, tu t'es fait les ongles, tu te casses un ongle, tac, faut tout refaire. Tout est à refaire constamment, constamment. Ça tu ne te laves pas pendant 3 jours, tu sens le faux. Le tatouage. 2 jours. Hein? Le tatouage. Quel rapport? La peau. Ah, vas-y, le cachot. Le corps, son inconvénient, c'est qu'il est mekabel touma. Le corps, il t'a offert des avantages qu'on a dit. Mais n'oubliez pas que le corps reçoit de l'impureté sur lui. Donc par là, elle va isoler ton âme. Le corps mastireta emet. Le corps cache tout le temps la vérité. Ça veut dire que notre corps cache des vérités. Prenons un exemple flagrant. Vous avez une fille, faites un chidour. Vous avez une fille, Bémet, elle a des midot rarissimes. Elle aurait été digne d'être une matriarche d'Israël tellement elle est. Mais elle n'a pas le physique qui va avec. Le corps cache la vérité. Ou alors, d'autres cas, ce serait trop à expliquer. Ça va? Aval, accord, mais chacun. Le gouffre d'une personne, mais chacun. Par exemple, tu paries avec elle parce qu'elle était Miss Monde. Et comme les fleurs fanent un jour, la beauté fane. Ce que dit le roi Salomon. Accol, vanité des vanités. Tu vois les photos des fois du mariage et tu vois la personne quand elle montre la photo du mariage. Tu lui dis, c'est votre fille? C'est pas possible. C'est pas vous, là. Si. Waouh! Ah, vous étiez belle. Vous étiez humaine, là. Vous êtes sûr que c'est vous? Haneshama, yafa, ve'aguf, mechoach. L'aneshama est toujours extrêmement belle, chelek elokam ima'al, tandis que le corps, lui, va et devient flétri et finit par s'effacer complètement de l'histoire. Que tout le inyan de ce monde, c'est de se protéger du aina bisha de nahash akadmon qui se trouve dans les yeux de toutes les personnes qui nous regardent. Sachez que dans chaque personne, il y a en lui de la kdusha dans les yeux. Et dans chaque personne, il y a en lui de la inara. Toute la Torah ne parle que de ça. C'est pas un cours sur la inara, juste pour vous donner 2 exemples. Ou un exemple, on n'a pas le temps. Quand Yaakov a envoyé ses 10 fils en Égypte, qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Rentrez chacun par une porte différente, l'une de l'autre, Rachidi, de peur que vienne sur vous la Inara. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaux.
Quelle beauté ils avaient ? Ils avaient tellement de pudeur en eux que l'âme de leur corps faisait briller le corps à l'extérieur. Et c'est comme une lumière pour des mouches. Quand une mouche, elle voit la lumière, elle fonce vers lui. Ainsi est l'énergie de l'œil. Il a dit, une personne, vous rentrez, comment il rentrait ? Avec le capuchon. Vous avez constaté, des fois, vous mettez des photos de tzadikim, et ils ne sont pas très beaux, les tzadikim. Mais les tzadikim, physiquement, ils ne sont pas zamzin, yani, chumna. Et tu mets sa photo. Lama. Pourquoi ? Pourquoi tu ne mets pas la photo d'un grand acteur comme ça, enfin, je sais toi, à côté de la... Pourquoi pas ? Le mec, il est beau gosse, un mannequin. Non, parce qu'on sait très bien que c'est du shaker. Et le tzadik, il a une neshama qui est tellement grande que même son corps, s'il est shaker, on voit la vérité sur son corps. Ou Betsem Kadosh. Des choses qui sont évidentes. Alors on avance. Ki malat atzniut imidat midot amichaset chashuvot beyoter. Il faut savoir que la pudeur fait partie de la mitzvah la plus élevée de toutes les mitzvahs de la Torah. Imipne shlosha midot shel kadosh baruch hu mevakesh. Et elle fait partie des trois choses essentielles que le Créateur du monde demande à son peuple. Sheneemar, comme c'est marqué dans Micha, Uma Hashem Doresh Mimach, et qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu demande de toi ? Ki Masot Mishpat, 1. Fais la justice. 2. Fais bonté dans ce monde. Et 3. Ve'atnia Lechet Imeloecha, sois pudique dans ce monde. C'est-à-dire trois choses Dieu l'a demandé : qu'on soit des gens de justice, qu'on soit droit dans la vie, qu'on fasse de la bonté, du chesed avec tout le monde, et qu'on soit pudique. C'est les trois choses qu'il a demandé au peuple d'Israël. Et là, il le répète une fois de plus. Et surtout que tout le domaine de la pudeur, c'est-à-dire si vous cherchez un médicament, comment avoir de la pudeur, le Ben Ishra, il dit pourquoi on a le port de la kippa ? Il dit pour nous protéger de l'aïnara qui est au-dessus de nos têtes, le virus de l'aïnara. Pourquoi la femme se couvre la tête ? Il dit à cause de l'aïnara. Pourquoi on rentre sous le talit ? Parce que le talit, c'est un tissu, c'est un système anti-aïnara. Comme ça dit le Ben Ishra, regardez la base qu'il explique en long et en large sur le sujet. Et étant donné qu'il se protège, il a plus de facilité à éviter les fautes. Qu'est-ce qui a sauvé par exemple Yosef HaTzadik ? Qu'est-ce qui a pu sauver Yosef HaTzadik d'une femme extrêmement belle en Égypte, seule à l'âge de 17 ans, 18 ans ? Ouais. De résister à une telle beauté qui se mettait du parfum et qui mettait sur elle, vous savez ce qu'elle faisait cette pourriture ? Elle avait des diamants d'une valeur inestimable. Pour que Yosef, à son âge, un jeune homme, il veut réussir dans la vie, 17 ans c'est un âge où on a envie de, ça y est, on veut gagner l'oseille, pour attirer son regard sur elle, elle mettait tous les jours un nouveau diamant d'une couleur différente. Style, ne me regarde pas moi, juste regarde le diamant. Lui il dit ici, et Yosef HaTzadik n'a pas fauté une seule fois, et qu'est-ce qui a sauvé réellement Yosef HaTzadik, il dit ici ? Parce qu'il était pudique. Étant donné qu'il était constamment pudique, Dieu n'a pas laissé la faute venir le prendre. La pudeur protège l'homme de la avéra. On avance. Car la gravité de regarder l'interdit, c'est perpétuer la faute originelle. Alors je vous explique ça en deux mots. Le fait de ne pas être sanoua, ça paraîtrait à nos yeux dans les temps modernes complètement normal. Alors bien entendu, il y a le côté ilkhatique, il y a le côté technique, sur lequel une femme doit être pudique. C'est évident, ou un homme doit être pudique. On va voir des choses beaucoup plus profondes tout à l'heure. Mais le fait d'être pudique engage des choses positives, mais alors si elles sont négatives, voilà les conséquences. Alors maintenant, ce n'est pas agréable à entendre, je vous le dis. Mais je suis dans les textes, je n'invente rien, je peux vous donner toutes les références de ce que je dis dans la Halakha ou dans la Gemara, mais encore une fois, c'est un cours de Torah ici, ce n'est pas un cours de complaisance. Et voilà ce qu'il dit. La faute originelle est partie de quoi ? D'un manque de tzniut. La preuve en est, dès qu'ils ont fauté, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Dieu leur a fait un vêtement de peau. D'accord. Le mot beged en hébreu, ou le mot madin, ou le mot levouche, viennent de trois racines qu'on connaît tous. Beged, vêtement, vient de la racine en hébreu, prêtre, boged. Le mot madim, que je porte, les vêtements que je porte, ça c'est des madim. On traduit par uniforme, en absolu. Vient du mot midot. Le mot levouche, s'habiller, l'hit la bêche, vient du mot boucha, la honte. Ce qui fait que quand tu retires ces vêtements-là, tu perds trois choses essentielles. Aleph, tu continues la bgida, tu continues à trahir, donc, le Créateur du monde qui avait demandé d'être pudique. Deuxièmement, tu perds des midot. Et ça, je l'ai vécu personnellement. Quand tu es en jeans, en Nike,
Croco, bien sûr. Vous savez, les Sanchag en croco. Le jean 501, la chemise à carreaux, manches courtes, tu ne te comporteras jamais que quand tu es en costume. C'est impossible. Quand tu es en basket, cool, ton comportement automatiquement change. La preuve en est, il suffirait que je me mette maintenant, Stam, hein, jeans un peu déchiré style à la mode, un peu de tissu sur le jeans, aujourd'hui c'est le contraire, des Nike, je me mets un t-shirt, maintenant sympathique, hein, je me mets une kippa, petite kippa sympathique, j'aurais beaucoup plus de chances de me faire aborder par des femmes, ou si je reste comme ça, lequel de nous deux avons plus de chances de tomber? Le jeans, pourtant c'est rien un jeans, le mec qui porte un jeans, c'est pas le vêtement qui fait la personne. Eh ben si. Les vêtements que tu portes vont t'aider à mieux réussir ta vie. À tel point que Rabbi Nachman nous dit, même dans les affaires, c'est important ta façon de t'habiller. Tu vas aller signer une affaire, mais une veste. Je me suis posé la question, quel rapport? Et t'as pas compris. Rabbi Nachman dit, tu vas signer un contrat, tu veux que ça marche, mettez une veste. Je savais pas. Regardez là-bas, il dit, Sim jacket. Il met un jacket sur lui. Et ça va aider à faire signer le contrat. Donc, essayez, vous verrez, j'en sais rien, c'est ce qu'il dit. Mais la reine, il dit, et Charles Yosef, je vais rester Shana, ça j'avance, ce sera trop long. Dola imida tatsinut, il finit à ma com, sheka hamur hamur zanvara, la gada, Torah trilat tsniut, besofat tsniut. Si vous le regardez, ils disent les chachamim ici, combien la Torah tient sur la tsniut, alors sachez que Dieu a commencé la Torah avec la tsniut, et elle finira la Torah avec la tsniut. Où est-ce qu'on voit ça? Ils disent pas choutruya, comment c'est marqué? Bereshit, Barel, qui met Hashem et Vetaret. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce qu'il te dit de quoi il est fait le ciel? Les constellations, les trous noirs, les galaxies? Rien. Dieu est pudique. Et comment elle finit la Torah? Par la parasha de Ré. Vaigbor oto bagay. Quand il a enterré Moshe Rabbeinu, il l'a enterré dans une énorme pudeur. Lui-même l'a pris, il l'a enterré. Trilata tsniut, vesofa tsniut. La Torah commence par la pudeur et elle finit par la pudeur. Vesofa atzniut shenema. Top. Atzma itam yutzeket, comme dit la Torah, bechiko shel makom, alpaim shana. Le créateur du monde lui-même, ipne shel satan, malachim shelot katrugu beneem. Les yeux sont l'énergie la plus puissante de la création du monde. C'est pour ça que même, écoutez bien, ce que je vous dis maintenant, je vous le dis en hébreu parce que vous ne le saviez pas, à la veille de Shavuot. Ce que je vous dis maintenant, c'est un chidush atzum. Atzum. Il dit le créateur du monde, avant d'avoir créé le monde, elle était où la Torah? Il l'avait cachée. Bebet de Gnezaï. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est une image, bien sûr. Il avait un coffre-fort, il a pris la Torah qu'il a écrite avant de créer le monde et il l'a cachée. Il dit pourquoi? Il dit à cause du regard des anges. Et les anges sont faits de quoi? De quoi est composé l'ange de la mort, par exemple? 613 yeux. C'est bien ça? C'est-à-dire, si l'ange de la mort il va chez l'oculiste, il a du boulot, le mec. Ouais. Et la preuve en est, pourquoi est-ce que Dieu a eu raison de cacher sa Torah? Parce que quand Moshe est venu avec la Torah, alors là je vous lis en hébreu, c'est un chidush atzum, je ne savais pas avant d'avoir lu ici. Takshivu. Baou banay urou kamak de la midat atzniut. Tant que Dieu avait gardé la Torah cachée, elle était protégée de tout. Aluchot arishonot mipneman itna bepumbit keinyan shenemar. Quand Dieu, il a dit à Moshe, Red Kam Khachata, descends parce que ton peuple a fauté. De quoi ils ont fauté? Ils ont commencé à danser ensemble, ils ont commencé à regarder les hommes et les femmes danser ensemble. Pendant la faute du Vaudor. Ouais. Et qu'il est descendu avec la Torah, pombit, ça veut dire en public. Tous se sont retournés vers les lois de la Torah. Et l'Aïnara, à ce moment-là, a brisé les tables au-dessus des mains de Moshe. Selon ce qu'il dit ici, pourquoi les tables de la loi se sont cassées, je vous en prie? Je vous le lis en hébreu, c'est peut-être que moi je ne comprends rien. C'est marqué noir sur blanc. Et ils ont vu. Normalement, on entend. Et les éclairs et le feu. Shalta bahen aïnara benishtaberu. Traduisez. Shalta alehem aïnara benishtaberu. C'est l'énergie des yeux posée tous ensemble sur cette torrent en disant mais qu'est-ce qu'elle est belle qui a cassé réellement les tables de la loi. Chidouche. Pourquoi? Parce que la Torah était descendue sans pudeur à ce moment-là. Donc imaginez si les tables de la loi, la Torah, qui vient du monde de la Béria, s'est cassée, combien ça peut nous casser dans notre vie personnelle de se montrer aux yeux des autres? Combien ça peut pourrir le mazal d'une personne? Ad kedeka. On avance. Shem Shatora Nitna Betzniut, Kat Yifarta Liyot Betzniut. Il dit, étant donné que chaque femme, particulièrement, est comparée à un Sefer Torah,
Tout comme la femme. Comme c'est marqué le Sefer Torah, il est dans le Haron, on lui met des habits, et patati patata. Il dit de la même façon, si la femme est comparée à un Sefer Torah, hein, la femme doit être Gvod Bat Meler, lui dit le roi David, c'est pas moi. Le roi David, qu'est-ce qu'il dit? Gvod, le Kavod, le respect, Bat Meler Pnima. Que toute la grandeur d'une femme, c'est la pudeur. Ad Kedekar. Bon, il y a plein de choses à dire, je vais essayer de passer un petit peu. Je dis, bah, Yaakov, Levana, ok. Comme nous avons ils disent comme ça. Nimna. Pourquoi le roi Shaoul a été sauvé? Ici, il ramène une tonne d'exemples. Il dit pourquoi le roi Shaoul a été sauvé? Pourquoi le roi David ne l'a pas tué? Il dit parce qu'il était pudique. Mais c'est où de sa noix? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de pudique dans ce monde? Alors, sachez que dans la Maseret Megillah, la pudeur n'est pas définie simplement au niveau des habits, mais surtout au niveau de la parole. Ça veut dire que celui qui est pudique, d'extérieur, mais qui a un langage qui n'est pas pudique, c'est quelqu'un qui, quelque part, possède une belle chemise longue sur un vide absolu. Parce que la pudeur dans ce monde, c'est la force du langage. Donc il y a trois niveaux à travailler pour la pudeur. Petit 1, ce qu'on a expliqué au début. C'est-à-dire? Non. Petit 1, s'estimer soi-même au point de ne pas avoir besoin de se montrer aux yeux des autres pour avoir l'impression d'exister maintenant. Ah, ça y est, je respire. Petit 2, la pudeur du monde de la halakha. Jusqu'où je dois être pudique? Alpi halakha, quand je m'assois, quand je me lève, patati et patata. Petit 3, on vient de le dire, le langage. C'est les trois niveaux de pudeur, kenegen, nefesh, le corps, ruach, la parole, neshama, se sentir bien avec son corps. C'est les trois niveaux de pudeur qui existent chez la femme. C'est là. Ça vous intéresse comme cours? C'est profond, hein. J'essaie d'aller chercher des commentaires très importants qui sont un peu différents de tout ce qu'on avait étudié avant. Velachen, darche asniut, shiou malbushav shel adam arukim unikim. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant? C'est basé selon les écrits de Rabbi Nachman, pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qu'on appelle des habits sanoua? Ce sont des habits en général qui sont longs, pour les femmes qui vont en dessous du fessier. Sheken shlomo maz'ir bechokhmato, becholeti ou begalecha levanim. Quand on nous dit, au nom du roi Salomon, que tu es... Qu'est-ce qu'il y a? Que, hein? Non, on parle de la veste. C'est là. Que tu aies des vêtements blancs. Ce n'est pas qu'ils soient blancs dans l'absolu. Blanc, ça veut dire qu'on ne puisse pas te reprocher de choses dans tes vêtements. On parle de domaine technique. Encore un chidouche du roi Salomon. La pudeur ne se définit pas simplement au niveau de la neshama, du ruach et du nefesh, mais aussi dans ta façon de marcher. Ne sois pas gasroir. Marche de façon pudique. Ketsad. Aletzek shum busak bashu, velo yetse yechidi balayla, velo yelav bemakom, sheyocha lagia elav, boshum tzad chashad. Ne te retrouve pas sur un chemin où on pourra avoir des doutes sur toi. Ne rentre pas dans des lieux où on pourra avoir des doutes sur toi. Tout ça, c'est un manque de pudeur. C'est ça? Ensuite, il faut savoir que le Créateur du monde ne fréquente pas les gens qui ont une parole vulgaire ou un corps vulgaire, c'est-à-dire ceux qui sortent avec la vulgarité. Ils ont des vêtements en style je sors avec juste un petit haut, je provoque. Tous ces gens-là, les créateurs du monde, au contraire, s'éloignent d'eux de plus en plus. Od, ve, od, ve, od, ve, od, ve, od. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde nous dit ici, Zé Chachamim, et Nenu Yachol Eritraber Lemi Shilodomelo. Il dit, moi, le Créateur du monde, j'ai tous les pouvoirs, et je suis très de sa noix. Qui est le serviteur et qui est le maître? Moi, je suis le roi et c'est moi qui vous sers toute la journée. Et vous êtes le serviteur à la base. Eved Hashem. Il dit, comment tu veux que moi, je vienne vers quelqu'un, hein? Chez Boged Bi. Elachem. En Torah et la Betzniut. Il sera impossible d'acquérir la vraie Torah, la vérité de la Torah chez une personne qui n'a pas de pudeur chez lui. À un tel point qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah devant des femmes dénudées vis-à-vis de la tête. Par exemple, même si une femme ne met pas le kissouille, au moins pendant le kiddush qu'elle le mette. Pourquoi? Parce qu'à le pied à la fin, on ne peut pas faire de bénédiction devant une femme qui n'a pas couvert sa tête. C'est un manque de pudeur. Donc même si, alors dans ce cas-là, comment on va faire? Alors il y a des femmes qui sont mariées, qui n'ont pas de kissouille. Le Ben Ishraï dit, si depuis toujours elles ont eu l'habitude de ne pas mettre le kissouille, alors c'est leur minag. C'est pas leur minag, c'est, on dit là-bas, elles sont comme ça. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Je vous explique clairement. Qui devra se couvrir la tête? Celle qui se couvre la tête d'habitude tous les jours. Mais si la femme réellement, elle se couvre jamais la tête, dans ce cas-là, elle m'a la socle. Ah bah le mieux, c'est non.
au moins que la femme, elle prenne sur elle au moins le Shabbat. Et si elle ne veut pas le Shabbat, au moins pendant la prière, d'avoir le kisouï. Dougma, si une femme ne met pas le kisouï et qu'elle fait son birkat Amazon, ça dure. Alors qu'elle mette son kisouï. Si elle fait sa amida, alors qu'elle mette son kisouï. C'est-à-dire qu'elle le mette ce kisouï, si elle ne veut pas le mettre tout le temps. Ça dure. Tznout anashim. Midat tova l'anashim ve'kal v'chomer l'anashim tzichot itnaig b'midat tzniut b'yoter. Qui vodav et melech pinima, comme on l'a dit. Que des chelot tachil atzma ve'lo tavi michshol ibn adam et nitzou mistaklim b'eshatish. Là, il y a quelque chose que vous devez retenir absolument. La tzniut de l'homme, la pudeur de l'homme est très importante dans le judaïsme, ce qui fait qu'un homme n'a pas le droit de se promener à poil ou en slip chez lui à la maison. Assour. Assour. Kipchuto, assour. Pourquoi? Parce que la pudeur du peuple d'Israël ne peut pas se vivre qu'à l'extérieur. Tu ne peux pas être Tarzan à la maison et Baba Salé à l'extérieur. C'est pas possible. Là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de pudique dans l'absolu? C'est quelqu'un que même si tu es rentré sans ouvrir la porte, il sera toujours tsanoua. Pourquoi? Parce que le vrai personnage qui est pudique, c'est celui qui ressent la présence d'Hachem à un tel degré. Qu'est-ce qui se passerait d'après vous? Imaginez maintenant, vous êtes chez vous, Rasra. T'es chez toi comme ça, à la maison. Et il y a une bat kol, il y a une lumière comme ça qui rentre chez toi. Mais une lumière du ciel, hein, c'est pas un coup monté, hein, c'est pas surprise, surprise. C'est une vraie lumière comme ça qui rentre et qui te dit, Biti, ma fille. Et tu vois que la voix, c'est pas un truc d'humain, c'est rempli d'amour. Maintenant, toi, t'es en t-shirt chez toi, les cheveux au vent, belle des champs. Qu'est-ce que tu fais d'après toi sur place? La première chose que tu fais, c'est quoi? Naturellement, tu vas courir te couvrir. Et ça, tu le vois quand? T'es mort de rire. Quand des gens vont voir des grandes tzadikim. Attends, j'ai pris, attends, je change de, attends, j'ai un pantalon, je mets la jupe, un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais devant le tzadik. Alors devant Dieu, t'as pas honte, mais devant le tzadik, t'as honte. Un problème. Au niveau de la conscience, un problème. Ça veut dire qu'on sait que si on apprend une bracha, il faut être pudique. Parce que la bracha, dit la Gemara, ne peut tenir que dans ce qui est caché. Si vous voulez la bracha, vous cachez les choses. Ne viens jamais raconter ta réussite à personne. Tu sais, moi et moi. Habibi, qu'est-ce que tu vas te mettre sur toi? L'aïnara. Pourquoi la Torah s'est cassée, on a vu tout à l'heure? Parce que Dieu l'a donné dans le ciel, dans la pudeur. Et Moshe Rabbeinu l'a donné pombite. Il aurait dû la cacher, cette Torah, la descendre, et voir si on méritait ou pas. Il n'aurait pas eu besoin de la casser. Mais là, il est venu, mais pombite. Pombite, ça veut dire en public, directement. Mais la reine, la femme, elle est beaucoup plus concernée que l'homme dans la pudeur. Velama, il dit Kipchuto, parce que même si la femme, elle voit pas où est le mal pour elle de sortir, je comprends pas qu'est-ce que vous voulez chez nous, les femmes, à ce point-là, on est le mal. Réponse, pas du tout, vous êtes le bien, vous êtes tzaddeket, azabko barok, mishaberahimoteinu. Le problème de votre manque de pudeur, c'est pas vous, c'est nous. Je répète, dans le cas où il y a des gens qui comprennent doucement au niveau de l'esprit. Le problème d'une femme qui sort pas pudique, et elle te dit, je fais ce que je veux, t'as pas à me juger, truc débile à deux francs. On va accepter ce langage, parce que quelque part, faut pas voler le libre-arbitre aux gens. Mais cocotte, le problème, c'est que toi, peut-être que tu fais ce que tu veux, mais moi, nous, les humains, pas les androïdes, le problème qu'on a, c'est qu'on aime la beauté féminine. Et que quand on voit une super belle femme, on a chez nous, les hommes, un côté animal. On va te bouffer tout cru. Nous, les hommes, pour baisser les yeux face à une bombe, ben c'est compliqué. Vous, des femmes normales, vous voyez une femme qui est jolie, vous dites, bon, elle est jolie. Ça ne vous fait rien de plus que le plaisir des yeux, comme ça. Bon. Mais chez nous, les hommes, le traduit que ça devient dans nos têtes. Mais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes. Et où est-ce qu'il est parti là pendant tout? Il a fait une comparaison avec sa femme qui est devenue Halata Jamler. Il dit quelle chance il a son mari. D'où elle a sorti ce corps? Vous avez remarqué ça? Mon fils m'a raconté qu'il parlait avec quelqu'un, il était à Elat. Il parlait avec quelqu'un. Et il y a une bombe atomique qui est passée. Il est où? Son copain était comme ça. Et il lui dit, attends, encore. Hein. Vous avez une femme, elle ne fait pas ça. Pourquoi? La femme n'a pas de nefesh béni. C'est-à-dire que, comprenez-le bien, quand vous ne voyez pas où le mal de faire ce que vous voulez que vous sortez, et que vous mettez des pantalons qui descendent un peu bas, et que vous allez vous baisser pour ramasser des choses, ou alors que vous allez passer, vous savez l'ascenseur, les escaliers, voilà,
Il y en a un qui descend, il y en a un qui monte. La femme, elle descend avec Pictom et Ramsès à l'air. Ouais. Et le mec, il monte. Vous savez combien d'efforts un homme doit faire en lui pour ne pas regarder l'interdit de la Torah? Que peut-être cette femme devrait les pnouiller, elle n'a pas le droit d'aller. Peut-être c'est une femme mariée. Il va convoiter cette femme, il vient de perdre son monde futur. Vous savez ça? Si un homme n'arrive pas à à baisser la tête ou à regarder ailleurs, alors bien entendu, il est préférable d'être droit dans la vie. Parce qu'il y a des gens, ils tournent la tête, ils regardent le mur, mais ils pensent à la femme. Il y a des gens, ils mettent le chapeau comme ça, pour montrer qu'ils ne regardent pas. Mais dans leur esprit, ils ont photographié la nudité de l'autre. On n'humilie pas une personne. Alors, ce que vous devez comprendre, mesdames, c'est que le problème, quand vous dites « Oh, tu vois pas ce que j'ai fait de mal ?» Vous voyez le mal partout chez nous, les femmes. Le problème, c'est pas vous. Si vous vivez entre femmes, vous entre vous, vivez. Quoique aujourd'hui, même ça, c'est devenu dangereux. C'est dangereux. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est les hommes. Parce que Dieu, quand il nous a créés, nous, les humains, hommes, il a implanté chez nous un virus rasratique qui met le mèche. Et ce virus n'est pas soignable. La Gemara le dit ouvertement. En apotropus la rayot. Aucun homme ne pourra dire, je vous donne deux exemples de la Gemara, des plus grands Tanaïm, donnez-moi deux noms des plus grands Tanaïm de l'histoire. Rabbi Akiva et Rabbi Meir Balanes. Ça vous va? Je vous donne deux pointures. Ils ont dit à Dieu, c'est où on a plus de serrant, on a tué notre Nefesh Abim. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé Lilith sur terre. Et les deux ont vécu la même épreuve. Elle se promenait nue dans les champs. Au moment où passait Rabbi Akiva, au moment où passait Rabbi Meir Balanes, ce n'était pas la même période. Je vous parle de Rabbi Meir Balanes. Pas n'importe qui là maintenant. Je vous parle de celui qui connaissait le secret des noms de la Torah, dont l'esprit était tellement puissant qu'on n'a même pas pu fixer d'Alaha selon lui, tellement il était kadosh. Rabbi Meir Balanes, qui s'est fait enterrer debout pour ne pas perdre de temps de se lever pour triat hametzia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru nue. Et qui leur courait derrière? La Gemara nous dit Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour les humilier? Elle est montée à l'arbre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux grands géants de la Torah? Ben, ils sont montés derrière elle. Jusqu'à le moment qu'elle est redevenue ange, et qu'est-ce qu'elle leur a dit? Si vous n'étiez pas des grands en Torah, je vous aurais exterminé tout de suite. Pourquoi la Gemara nous raconte un tel secret de l'étude? Pour nous dire, en apotropus la rayot. Yosef Hatzadik, c'est vrai qu'il n'a pas regardé la femme de Potiphar, c'est vrai qu'il n'a pas fauté. Il a juste perdu 10 gouttes de semences, Zera Levatala. Ça a donné les 10 martyrs. 10 hommes vont mourir à cause de 10 gouttes qui sont tombées de Yosef Hatzadik. Ça veut dire que malgré tout, le Nefesh Abami, il a travaillé chez lui. Il n'a pas regardé, mais il avait envie. Il n'en pouvait plus. Il était à bout. Son père est venu, il lui a dit, « Yaholdi, Tarchemch. Toi, tu as un ?» Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est enfui? Il y a 10 gouttes qui sont tombées. Comme ça nous dit le Zohar. Et ces 10 gouttes vont être réparées par la mort des 10 martyrs au jour de Tchabéa. 10 hommes sont morts de façon cruelle pour 10 gouttes de tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas observé une des règles de la Torah qui disait « Ne tu n'as pas le droit de te retrouver seul avec une femme. » C'est pour ça qu'il a usé à l'évatala. Yosef Hatzedik. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas pudique à la maison, vous avez, comme ça s'est passé, j'étais cet après-midi avec ma femme, que Dieu la bénisse. Non, je n'ai pas dit la suite. On a reçu un coup de téléphone. Et ma femme peut vous le dire. On n'a pas besoin de donner de nom. Une femme mariée a commencé à envoyer des WhatsApp à son beau-frère. Et le beau-frère a envoyé des WhatsApp à la belle-sœur. Et ils ont commencé à se confier l'un à l'autre. Rien de mal, hein? Belle-sœur, frère, bah allons! Belle-sœur, allons, qu'est-ce que tu racontes? La Torah, elle te dit « Altar Bessicha Imaïcha ». Ne multiplie pas trop de contacts avec une femme à chaque jour. Et on vient d'apprendre que le mal a été fait. Quand vous posez la question à la belle-sœur ou au beau-frère, qu'on fait la bêtise ensemble, est-ce que, quand vous avez commencé, vous pensiez à ça? Pas du tout. Ça commence toujours avec pas du tout. Jamais, je comprends pas. Mais quand le mal est fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà. Il y a 6 enfants au milieu de ce couple. Elle est obligée de prendre son guette. Elle est partie avec le frère de son mari. 6 enfants qui vont se retrouver en train de divorcer avec une honte sur le visage toute leur vie parce que quand ils vont se marier, mais pourquoi ta mère a divorcé? Parce qu'elle allait coucher avec le beau-frère. Pourquoi? Eh bien, vous savez, c'est comme les limites de ce qu'on a vécu à Gaza. S'ils passent la frontière, ça veut dire qu'en fin de compte, on a perdu le pays.
C'est-à-dire que pour vivre en sécurité, il faut que chacun reste à sa place. Donc quand la Torah elle te demande d'être pudique, le problème qu'il y a, qu'est-ce que la belle-sœur elle a mal calculé dans cette histoire? Qu'est-ce qu'une femme calcule mal quand elle est en rapport avec un mec sur Facebook? Ah ça va Thierry, ah ouais je me rappelle de toi, mais qu'est-ce que t'es devenu? Tu ouvres des portes, tu cherches un psychiatre, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais avec un mec sur Facebook, t'es une femme mariée? Mais ça va, mais punaise, vous les religieux, vous voyez le mal partout, vous voyez le Satan, mais die! Ça va, j'ai pas couché avec! C'est sur la route. Tu le sais pas, c'est tout. J'ai un de mes meilleurs amis que je rencontre un jour. À l'époque, c'était vraiment une personne, c'était le couple le plus exemplaire que je connaissais. C'était tellement gênant que c'était tout le temps... on les appelait Roméo et Juliette. Ils se ressemblaient en plus comme deux gouttes d'eau. Un jour, je passe à Voltaire et je le vois seul au café. C'est la première fois de ma vie que je le voyais seul sans sa femme. C'est-à-dire, tu cherches sa femme, cherche-le lui. Tu cherches lui, tu cherches sa femme. Ils sont tout le temps ensemble. Et là, je l'ai vu seul, en train de boire un café. Je me suis arrêté, je lui ai dit, oh, comment tu vas? Ouais, bisous. Alors, tu es toujours à Jérusalem. C'est à l'époque que j'habitais à Jérusalem. Ouais, t'es... je lui ai dit, comment c'est que tu es seul? Il a baissé la tête, il m'a dit, écoute, j'ai divorcé. Je lui ai dit, là. Là, ça, c'est pas possible. T'aimes trop ta femme. Il avait les larmes aux yeux, il m'a dit, tu connais Facebook? Ça vient de sortir. Je lui ai dit, alors? Bah, tu sais, c'est les photos, tu retrouves tes copains de classe. Et... mon ex-femme est rentrée en copain du CM2, son copain. Et ça a commencé avec de bonnes intentions. Elle m'a même appelé, viens, viens, tu te rappelles de lui? Je t'avais parlé de lui à une époque, il voulait sortir avec moi. Et... en rigolant. Ah, tchalchou, beyach. Jusqu'au jour est venu où elle s'est laissée boire un café avec lui, elle est passée au-delà de la tzniout. La Torah te dit, mais putain, une femme mariée va boire un café avec un mec. D'où tu sors une chose pareille? Une femme mariée, elle dit, c'est mon copain. D'où c'est ton copain? Depuis quand une femme, elle a un copain? C'est quoi ces embrouilles modernes? D'ailleurs, je vous ai noté à la fin quelque chose de très important à retenir. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup à faire. On a pris souvent le chemin, un chemin différent de celui de la Torah, estimant que c'était beaucoup trop dur, voire révoltant pour une telle génération comme la nôtre, face à de telles mises en garde qui paraîtraient complètement préhistoriques. Vous entendez ce que j'ai en train de dire? C'est-à-dire que tu vas prendre maintenant un psychiatre, tu lui parles de ça, et ils sont fous ces mecs. C'est vrai. Seulement, si avec honnêteté, on faisait un bilan de nos vies d'aujourd'hui, dites modernes, face aux générations précédentes, celles de nos parents, qui étaient beaucoup plus pudiques que nous, quels résultats pourrions-nous sortir et constater avec objectivité? Exemple, divorce. Plus avant ou aujourd'hui? Très bien. Guerre familiale. Plus avant ou aujourd'hui? Tout le monde vous le dira. Hein. Même ma mère m'a dit, Chenoa, c'est quoi? Il n'y a plus une famille où il n'y a pas la guerre? Avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ça va très loin. Belle-mère et belle-fille, on n'a jamais eu autant de dégâts qu'aujourd'hui. Enfant insolent, c'est la génération. Tromperie culturelle, c'est quoi tromperie culturelle? C'est qu'aujourd'hui, tromper, c'est une culture. C'est culturel. Voilà ma femme, et à côté, tais-toi, c'est la maîtresse. Non, pas la maîtresse d'école, hein, c'est la maîtresse. Vous savez combien de fois j'ai entendu? Depuis 21 ans et demi que je fais des shalom bayit, vous savez combien de fois on m'a sorti cette phrase? Mon mari m'a quitté avec ma meilleure amie. Vous savez combien de fois on m'a sorti cette phrase? Pas une fois, deux fois. Mais va dire que ces femmes doivent faire attention. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi, Valérie? Parce qu'ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Qu'est-ce que t'emmènes? Par exemple, moi j'ai toujours dit cette phrase en tant qu'homme. En tant qu'homme. Moi je suis un homme. Enfin, j'espère. Je serai une femme. Tu sais quel est le dernier... Laisse tomber la Torah, la religion. Je te parle au niveau Sechel. Quel est le dernier endroit, si j'étais une femme, où j'emmènerais mon mari? Le dernier endroit d'après toi? La plage et la piscine. Pourquoi? C'est une stratégie. Laissez tomber la mitzvah d'être pudique. Pourquoi? Parce qu'à Juan-les-Pins ou dans les plages de Eilat ou de Tel Aviv, tu as des bombes atomiques qui cherchent des mecs. Toi, tu lui as donné des enfants, donc tu t'es un peu évasé. Tu as des varices parce que tu lui as donné de la vie. Mais ton mec, avec son côté animal, quand lui il est allongé et qu'il mate comme ça, et la fille elle passe, lui fait, hein? Lui comment il est? C'est moi qui appelle.
On va manger ensemble. Juste on mange, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence comment? Toujours avec des bonnes intentions. Il y a même une fois un Tunisien, il a trompé sa femme, il s'est fait attraper, il lui dit quoi, tu me trompes? Il lui dit qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai un bon cœur, j'aime tout le monde. Manasse. Comment ça commence? Ça commence toujours avec... Nahon. Mais moi, si j'étais une femme et que je veux garder mon mari, la compétition est dure dehors. L'amène pas là-bas. Sois intelligent. Sois intelligente. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le Yetzirara, il est trompeur et il joue avec nous. Nahon. Imaginez un petit peu maintenant ce que je vais vous dire. Vous me dites ce que vous en pensez. Peut-être que je suis débile. Hein? Je crois pas. Mais peut-être. Vous êtes avec votre mari. Il y a une fille qui passe en slip et soutien-gorge. Et il la regarde. Qu'est-ce que vous lui dites? Elle est pas mal, hein? Ça va. Non. Qu'est-ce que tu regardes? N'importe quelle femme normale, à part Betty apparemment, lui dira, hey, qu'est-ce que tu regardes? Ça va pas, non? Et toi, qu'est-ce que tu te promènes comme ça devant mon mari? Oui ou non? Ouais? Hein? Je fais pas de réflexion à la femme. Une réflexion à mon mari qui est... Vous avez tort, madame. Madame, vous avez tort. Je vous le dis pourquoi. Parce que dans la Torah, je vous avais dit, pas rester au cours. Parce que dans la Torah, rappelez-vous, vous avez dit. Parce que dans la Torah, il y a marqué, ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. C'est-à-dire, si je vous dis maintenant, faites attention, cet homme est connu pour draguer toutes les femmes, ne vous approchez pas trop, parce que dès qu'on lui parle, il est persuadé qu'il peut aller jusqu'au bout des fautes. Vous allez le voir. Parce que, Bevada est une femme normale qui aime son mari, va le protéger en disant... Mais madame, qu'est-ce que vous passez comme ça en soutien-gorge et en slip devant mon mari, s'il vous plaît? Il y a des hommes, faites attention. C'est pas faire du mal à l'autre. C'est simplement, tu veux être comme ça, va dans un endroit où mes yeux ne regarderaient pas ça. Tu parles en dehors. C'est pas grave savoir où je vais et où j'emmène mon mari. C'est ce que je viens de dire. Vous dites ça avec d'autres mots. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, regardez le Yetzer Hara. Il est trop fort. Tais-toi, Betty. Tais-toi. Maintenant, ils sont à la plage. Et la femme, elle passe en soutien-gorge et en slip. Ça s'appelle un maillot de bain. Mais c'est un soutien-gorge et un slip. Et encore, un routini. Et là, le mec marié, il la regarde. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien, elle est à la plage. Regardez comment joue Yetzirara. Un autre exemple qui est encore plus flagrant. Vous chopez votre mari en train de regarder par la fenêtre la voisine à plat en face qui est en train de se doucher. Attendez! Attends! Ça arrive! Oh là là! Déjà, Betty a dit, alors dans ce cas-là, je ne fais plus les carreaux, tu vois, déjà. Regardez bien ce que je vous dis. Regardez l'exemple du Yetzer Hara, comment il se joue de nous dans l'illogisme des choses. Vous chopez votre mari qui est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la voisine, elle est juste en train de se doucher. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément? Une femme nue qui se douche et une vitre, un carreau. La femme lui fait un scandale. Tu es un... Et tu es un voyeur. Et tu es un... Il y a un mot pour ça d'ailleurs. Un pervers. Le Yetzer Hara, il est mort de rire. Elle lui a pardonné cette action. Mais par contre, le soir arrive et il y a un super film American. Yeah. Et ils sont tous les deux assis avec des Kallax Cornflakes. Je n'avais pas envie de cuisiner ce soir-là. Des pop-corns, si vous préférez. Écoute la suite. Et le film commence sur le grand écran. Et le grand écran, c'est composé d'une vitre. Et l'actrice mariée, à un moment, va aller prendre sa douche parce qu'elle schlague. Et la caméra, de toutes parts, va la prendre nue. Là, par contre, le mec, il regarde la scène, la femme est juste à côté, lui dit, t'en veux, chérie? C'est ce que dit le roi Salomon. Tout ce qui touche à la débauche se joue de notre esprit. Ça veut dire, le mec, qui regarde maintenant à 15 mètres en face, une vitre, une femme qui se douche, et oh, le goujat! Mais à 2 mètres, une vitre d'une femme totalement nue, bien filmée, ça, c'est moral. Qui a fixé ces règles? C'est ça, la force. Ça veut dire que moi, je me rappelle un jour. Ah non, il faut que je te le dise. Ah non, mais il faut que je te le raconte. Non, mais il faut que je te le raconte. Non, mais laisse-moi te le raconter. Un jour, j'ai une histoire comme ça. Je venais de faire teshuva et je me posais des questions, justement. J'étais à Jean-les-Pins.
deux minutes d'arrêt. Je raconte une histoire qui m'a vraiment éveillé l'esprit. J'étais à Jean-Lépin, deux minutes d'arrêt. Ma mère me demande de venir récupérer les clés au Lucky Beach. Je venais de faire Teshuva, pour moi je ne connaissais pas très bien les lois, mais je me posais beaucoup de questions. J'étudiais à l'époque Elimunk, Kol HaTorah. Donc je descends à la plage, et là-bas je trouve une cousine à moi. Au deuxième degré, les seins à l'air, donc nus, avec un routine. Routine votre aile. Donc je vois ma cousine nue, devant moi. Elle me dit, ah ça va David? Je dis, ouais, ça va. Bon, je monte les escaliers, c'était courant à l'époque à Jean-Lépin, et j'arrive à la maison. Ah oui, parce que pour aller à la plage, tu descends. Tout ce qui est tamé, tu descends. Synagogue, tu montes. T'as remarqué? J'arrive à la maison, je prends mon livre et j'étudie. Ma mère et toute la famille arrivent. On était 8000 dans trois pièces. Très programme tunisien. Et qui c'est qui arrive en premier? Coutine! Avec tout le sable. Et là, moi je suis quelqu'un de blatant. C'est-à-dire, si tu me provoques, tu me trouves. Mais j'ai besoin de comprendre. Elle va dans la salle de bain se doucher. Et j'attends. Je suis dans le salon, j'attends. T'es venu à la maison, t'as vu le salon? Sur le côté, j'attends. Là où il y a le cadre de Rabbi Moshe Deri, en dessous. Tu vois le maire? Tu vois le cheval? En dessous. Et dès qu'elle ouvre la porte, je cours devant le couloir avec mon livre comme ça sur moi et je regarde. Et elle met la tête. Je lui dis, t'as pris ta douche? Elle me dit oui. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais comme ça dans le couloir? Je lui dis, j'attends que tu sortes. Elle me dit, t'es fou toi. Et elle sort avec une serviette tunisienne, celle qui font un mètre de long là. C'est les grands trucs. Et elle met la tête, et très pudiquement, elle rentre dans la chambre en face. Je dis, excuse-moi, j'ai besoin de comprendre. J'étais jeune à l'époque. J'avais besoin de comprendre. Je lui dis, pourquoi tu passes pas nu? Elle m'a dit, mais t'es malade, hein? T'es un pervers, hein? Je lui dis, non, je veux juste apprendre, je suis désolé, je voudrais, tu sais, je suis en train de faire tchouva, je comprends rien. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais me voler, c'est la logique. Je suis quelqu'un de logique. Je vais même raconter quelque chose qui lui a fait un petit sourire, parce que je ne voulais pas qu'elle se vexe. Je lui dis, tu sais, quand j'ai fait mes examens à l'école, au lieu de répondre la réponse, j'ai dit, à quoi ça vous servirait que je vous réponde réellement dans votre vie à vous, personnelle? Tellement j'étais logique dans ma façon de vivre les choses. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Tout à l'heure, il y a 4 heures, je suis descendu, tu étais nu devant plein d'hommes et devant moi, et tu me dis salut David en levant le bras. Donc tu étais nu devant moi. On est bien d'accord. Elle me dit ouais, alors? Et alors? Je dis, et là, tu mets la tête pour voir s'il y a quelqu'un, tu sors avec une serviette qui t'a couvert tout le corps, on ne voit pratiquement plus. Et tu me traites de pervers. Je dis, tu m'expliques? Parce que je suis bête. C'est comment ça marche? Elle me dit, vraiment David, hein, tu sais que t'es bête, hein. Là-bas c'est la plage, ici c'est la maison. J'ai compris, t'as changé de corps. J'essaie de comprendre. Ça veut dire, si je vais te voir à poil demain, je vais te voir là-bas, et c'est moral. Mais si t'es à la maison et que t'es plus de sa noix, t'es en short, t'es en t-shirt, qu'est-ce que tu me mates? Donc c'est les lieux qui définissent la tsnout. Excuse-moi, moi j'ai un problème avec ça. Ça veut dire que l'immoralité change d'endroit. C'est exactement ce que nous dit le roi Salomon. L'impudeur, le côté impudique, je ne sais pas comment, la pudeur, ça se dit, se joue de nous, c'est un jeu. C'est une tromperie de l'esprit. De regarder une télévision en famille avec une femme qui a poil là-bas, derrière, femme mariée avec enfant, qui est une actrice, c'est moral. Mais pas pour la Torah. Mais de la regarder comme ça, de la mater dans la rue, par contre, elle est en face à 15 mètres, ça c'est pas moral. Qu'est-ce que tu regardes là? Balleur. Oh, ça va. C'est débile. Cette tromperie, c'est toute la nudité du Yetzer. Ou Messahek Itan, Ad Kedekar. Mais la reine, à nous d'essayer un autre chemin ou pas, à l'échelle collective ou voire individuelle, afin de créer Bezrat Hashem et d'éviter les conséquences terribles du manque de pudeur. Car elle peut perdre absolument tout. Exemple. Je finirai avec ça, et je vous laisserai pour aujourd'hui, puisque j'ai dû, le Tzari Arab, passer beaucoup, beaucoup d'enseignements de ce livre. Kozman Shadam Arbe Sikha Imaisha,
Tant qu'un homme perpétue des discussions sans cesse avec une femme qui ne sont pas d'ordre professionnel ou indispensable, qu'il sache chez Gorem Ra'al et Atzmo, il envoie des décrets contre lui dans, du monde d'en haut vers le monde d'en bas. À vous en déplaire. Ou Botel Midivrei Torah, il s'annule de l'étude de la Torah, Vesofo Yoresh Gehinam, là ça va loin dans les mots, c'est une Mishnah ce que je suis en train de vous lire, et finira par descendre au Gehinam automatiquement. Je continue. Pritzut Kedesh Shiloit Avelit Var Avera Atzma Shasru Lishma Kol Shirmipi Isha. Donc là il rentre dans d'autres détails, et il dit comme ça. Nous sommes dans Masechet Brachot, à la page 61, Amoud Aleph, pour les références. Lo Yalech Adam Ahore Isha Bashuk Vafilu Ishto. Les Chachamim nous ont mis en garde de ne pas marcher derrière une femme qui risquerait pour nous d'attirer le regard. C'est-à-dire, elle est bien foutue, tu as envie de la regarder. Les hommes ont le devoir de la dépasser. Ils n'ont pas à lui faire de réflexion. Ou on n'a pas à Chas v'Shalom. Ou alors, pire encore, prendre le chapeau, faire style, toi t'es un gravat. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut avoir du savoir-vivre. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la même chose, mais on ne s'est pas compris. Le Dachel. Nizdamela Gesher Vistalkanimna. Vechol Aver Achare Shabana'ar. Et donc, la Gemara nous dit. Et si un homme voit une femme descendre pour laver le linge dans le fleuve, regardez de quoi on parle. Et que cette femme va se baisser pour laver le linge, et que lui descend pour la regarder, c'est marqué c'est noir sur blanc dans la Gemara, au milieu de la page, il viendra de perdre son monde futur. Nigma. Enlo chelek laolam abba. Qu'est-ce qui a permis à Boaz d'épouser Ruth? Ruth à Moabia, vous allez l'étudier bientôt. Pourquoi est-ce qu'il a remarqué Ruth parmi ces milliers de femmes qui ramassaient les graines de blé par terre? Elle ne se baissait jamais. Boaz a épousé cette femme uniquement à cause d'un geste. Toutes les femmes, quand elles se baissent, elles font le geste. Ruth à Moavia se baissait comme ça. Elle s'accroupillait pour ne pas qu'on voit ses formes. Boaz l'a remarqué tout de suite. Ils ont eu deux enfants, dont le petit-fils s'appellera le roi David. Quel mérite a eu Ruth à Moavia d'avoir le roi David? Tout ignorant te dira, ben, elle s'est convertie, alors Dieu lui a donné un salaire. Pas du tout, c'est parce qu'elle était pudique. Elle peut engendrer la Géoula parce qu'elle est pudique, le roi David. Sur toutes les femmes d'Israël, la Gemara pose la question à propos de Boaz, c'est le chef du Sanhédrin, mais pourquoi, comment t'as vu Ruth? Parce qu'elle était belle, il ne regardait pas les femmes. Mais quand il a vu comment elle se baissait, il a dit, si toi tu fais attention au regard des hommes, c'est certain que tu es un des maillons de la Géoula. Alors est né par la suite le roi David. Grâce à la pudeur extraordinaire de cette femme qui s'appelait Ruth à Moabia. J'ai fini. Et il dit comme ça. Ad kedekar. Ve kol amartse ma'ot leisha. Regardez la suite. Celui qui viendrait donner de l'argent dans les mains d'une femme. Donc la femme, elle est contente parce qu'elle va prendre de l'argent. Dans l'intention de regarder sa beauté, c'est-à-dire de jouir de sa beauté. Miyado leyada. Ke delistakelba. Afin de la regarder, d'observer sa beauté. A filou. Là, c'est toujours dans la Gemara. Sheshbo Torah que Moshe Rabbeinu. Même s'il a autant de Torah que Moshe lui-même en a eu dans le ciel de la main divine. Shekibel et ta Torah miyado. Shelakad Jourou. Ou qu'il fasse du chesed comme Avraham Avinu. Il ne pourra pas échapper à cause de cette avéra de descendre au Gehinam. Ça va loin. Ça veut dire, le mec maintenant, c'est un homme de Torah, machin. Mais son but à lui. C'est d'aller voler la beauté. Il y a un cours qui s'appelle Beauté volée. Regardez ce cours sur la Tzniut. Il a le Pikabala. J'ai fait il y a 3 ans, je crois. Ça s'appelle Beauté volée. Là-bas, j'explique pourquoi le regard énergétique, quand on regarde la beauté d'une femme pour sa beauté, eh bien, on en a même fait des films. C'est cette énergie, c'est-à-dire que l'énergie positive, quand tu regardes une femme, si une femme se laisse regarder, c'est-à-dire si elle n'est pas pudique, il lui vole son énergie de son âme. Il lui happe son énergie. Ad Kedekar. Ça va loin. Mais t'as entendu ce qu'il dit? Afilu sheshbo Torah que Moshe Rabbeinu. Parce qu'il est parti piéger la femme pour observer sa beauté, il ne pourra pas lo yinake midina shel Gehinam. Il ne se débarrassera pas de descendre au Gehinam le jour de sa mort. Sauf si bien entendu il a fait tchouva. Tout ce qu'on dit, s'il a fait tchouva, il n'y a rien qui se passe. Kol amistakel afilu beetzba ktana shel isha ki ilu mistakel bemekom toref. Ad kedekar qu'ils ont dit, même si tu regardes un endroit qui ne paraît pas impudique, comme le petit orteil d'une femme, c'est considéré comme si qu'il a vu. Non, on parle du petit doigt du pied, qui est la chose la plus insignifiante. Qui n'est né misé, c'est comme si qu'il a regardé intégralement nu. Ça va loin dans les mots. C'est bon. Sur le Adam et Shamesh Mutato Bayon. Et comme c'est marqué, pourquoi est-ce qu'un homme ne doit pas aller avec sa femme en pleine journée? Il dit pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que c'est de la hazout. Il doit être dans l'obscurité. Et parce qu'on aurait très peur
Regardez comment la Torah nous protège. Je finirai avec un mamar de Rabbi Moshe Deri, parce que j'ai tellement noté de choses qu'il est tard maintenant, je vais vous libérer. Ah, merci pour le reste. Tu as des réflexions bizarres, Betty, ce soir. Pourquoi Dafka l'obayom? Pourquoi Dafka pas dans la journée? Il dit parce que quand il y a la lumière, il risquerait de voir les défauts de sa femme et d'enfreindre le verset qui dit Ve'afta l'ereacha kamo. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit la tzniout a la force tellement importante qu'elle conserve les choses comme le fruit qui est conservé dans toute sa serveur dans la klipa. Un jour, Rabbi Moshe Deri, un des derniers enseignements qui m'a demandé, il y avait des noix, des amandes, pas des noix, des amandes. Et un jour, il m'a dit, tu veux garder quelque chose, un secret très important dans la vie. Je lui ai dit, ouais, je crois qu'il allait me parler d'oseille et tout. Il m'a dit, alors donne-moi cette amande. Je lui donne une amande, c'est des amandes vertes comme ça, en forme de goutte. Des amandes fraîches. Et Rabbi Moshe Deri casse cette amande avec l'appareil, le casse-amande. Comme si le casse-noix. Et Al, casse-toi. Et quand on a cassé l'amande, eh bien, l'amande avait encore un habit sur lui. Il y a une peau jaune sur l'amande. Et Rabbi Moshe Deri, il me dit, comme ça, que son bénir, maman, son souvenir soit béni, il me dit, quels sont les défauts de cette amande? Je lui dis, moi, je suis un peu bête, pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez dire? Il me dit, est-ce que tu peux me dire quels sont les défauts de cette amande? Je lui dis, non, elle est bien l'amande, elle n'a rien. Il m'a dit, très bien. Et à ce moment-là, avec ses deux doigts, il appuie, il fait une pression en bas, la peau jaune se retire et on voit l'amande blanche comme ça, magnifique. Et il me la met dans ma main. Et il me dit, maintenant, dis-moi quels sont ses défauts. Je lui dis, ben, la pointe, elle est cassée. Ici, il y a une tache noire. En bas, ce n'est pas tout à fait symétrique. Il m'a dit, il y a un instant, tu m'as dit qu'elle n'avait pas de défaut. Je lui dis, mais avant, elle était couverte. Il m'a dit, c'est ça le secret de la réussite. Quand tu te marieras, Be'ezrat Hashem, ne cherche pas à découvrir la nudité de ta femme si tu veux l'aimer pour toujours. Parce qu'avec le temps, elle aura des défauts. Et c'est ce qu'il dit ici dans le livre. Pourquoi l'eau les chamèches bayom ne va pas avec ta femme dans la journée de peur d'enfreindre Ve'afta l'ereacha kamocha? Ça veut dire que si tu veux réussir à aimer, il faut vivre dans la pudeur. Si tu veux réussir à conserver quelque chose, il faut conserver tes yeux comme une espèce de protection afin d'être capable d'aimer pour toujours parce que tu vivras toujours dans l'imaginaire. Dans le sens où ce que tu avais vu, ce que tu as aimé, tu le gardes pour toi. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Vas-y. Ouais, mais moi, j'ai pas mangé ce soir, donc peut-être que vous répondez l'une ou l'autre. Parce que... Pourquoi ne pas montrer ses pieds? Ah, pourquoi les pieds? Ben, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont atteints du fétiche pied, ça existe. Et que, je peux te dire que ça existe beaucoup d'ailleurs, j'en connais. Et que les pieds représentent la pudeur dans le judaïsme. Et que... Non, je vais te répondre professionnellement, j'aime pas parler avec la philosophie, je vais te répondre, c'est plus clair. Je vais vous répondre. La question qui a été posée, pourquoi pas montrer ses pieds? Et je voulais comprendre tout de suite. Vous êtes prêtes? Pourquoi ne pas montrer ses cheveux? C'est la beauté de la femme? Ok. Il y a des femmes qui sont plus belles avec le kissou qu'avec leurs cheveux. Il y a des femmes, elles ont des cheveux, c'est des pissenlits. Non, c'est vrai, elles ont des tronches bizarres, elles mettent un kissou, ça leur va bien. C'est pas forcément l'un sans l'autre. Alors je vous réponds très simplement. Je voulais donner une réponse un peu philosophique, mais non, j'ai pas envie. On va rentrer dans la cabale pour celle qui a posé la question. Tous les endroits qui nous ont été interdits de regarder sont des endroits qui sont des socles de la Touma. Ça veut dire que là-bas se cache une force énergétique d'une très grande dimension. Et comprenez-le bien, quelque chose qui est tamé dans le judaïsme, ce n'est pas simplement quelque chose qui est en bas. La Touma est plus forte que la Gdusha. Le Yetzerara est plus fort que le Yetzeratov. C'est le problème du quelque chose de tamé, c'est que c'est tellement élevé qu'on ne peut pas l'atteindre. Tout ce qu'on ne peut pas rendre kadosh devient tamé. Est-ce que c'est clair? Par exemple, le pied. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer, de tenir un corps de 60 ans? Qu'est-ce qui permet au corps de tenir une telle puissance de marcher des kilomètres, de nous soutenir? C'est vos pieds.
ce que marchez maintenant sur les genoux qui ont plus de muscles. Essayez de marcher toute une journée sur les genoux. C'est impossible. Vous allez finir sur les genoux. Essayez toute la journée d'être sur votre fessier. Ce qui est capable de supporter vos pieds, aucun des membres du corps humain ne peut. Pourquoi ? Parce que c'est un des endroits qui est tellement élevé qu'il descend bas. Il est capable de soutenir tout le reste. Dans la Kabbale, tout ce que nous a interdit la Torah, c'est parce que là-bas se trouve une force énergétique d'impureté tellement forte qu'elle peut réveiller chez nous l'envie de la sensualité. Et c'est pour cela que les pieds sont symboliques de sensualité. Donc de commencer à ouvrir une porte, parce que c'est une attirance. Même le mec qui n'est pas fou des pieds, pourrait se retrouver attiré parce qu'il a découvert quelque chose qui en réalité, les pieds, c'est bête. Les pieds, c'est quelque chose de bête. Là, on dirait bête comme ses pieds. Pas pour rien. Alors, qu'est-ce qui va attirer un homme pour représenter une sensualité ? Réponse très simple. Ce n'est pas le pied le problème. Ce n'est pas les côtés impudiques de la femme le problème. Une poitrine, c'est là pour donner du lait. Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est ce qui se cache dans l'énergie de ces choses-là, qui sont pour nous une attirance, ça s'appelle un aimant. N'aimante pas tes yeux vers des choses qui vont t'attirer. Prenez un exemple. Le mec, il a une statue. Il est prêt à mourir en Inde. Vous savez qu'ils prennent des épées et ils se flagellent de coups pour une statue. Bémet, entre nous. Le mec, il est amoureux des pieds, des femmes, je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux. Il est amoureux des mains des femmes, il est amoureux de ce que tu veux. Au niveau analytique, psychologiquement parlant, il a un problème. Un problème. Le mec, il a une statue, il dit, voilà, c'est Dieu. Attends, mais t'as un problème. Franchement, au niveau de l'intellect. C'est pas qu'il a un problème. C'est qu'il y a une telle touma, il y a tellement de shindalet, tellement de démons, tellement de choses impures, que cette impureté, par contre, invisible à nos yeux, comme un virus, nous attrape et nous emmène vers lui. C'est de ça dont la Torah nous demande de nous protéger. Mais si tu étais capable de relever l'impureté à un très très haut degré, comme qui ? Rabbi Shmuel ben Elisha. Waouh ! Rabbi Yochanan ben Zakkai. Waouh ! Qu'est-ce qu'ils avaient eux ? Où est-ce qu'ils étaient eux ? Dans le mikvé des femmes nues. Alors niveau à eux, dans le mikvé des femmes, ils se tenaient debout devant le mikvé. Et la Gemara nous dit, chaque femme qui regardait le visage de ses tzadikim, ouais, engendrait un enfant kadosh et d'une beauté sans commun. Incomparable. Mais comment des hommes, des tzadikim pareils sont? Parce que eux, ils étaient capables d'annuler la klipa qui se trouve dans ces endroits interdits par la Torah. Si tu es capable d'annuler ça, pourquoi? Je vous l'expliquais tout à l'heure. Quand Rabbi Yochanan est rentré, ouais, Rabbi Yochanan, pas Mezakai, Rabbi Yochanan, il est rentré, la Gemara nous raconte comme ça, dans une rue de prostituée. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan? Il a relevé sa manche. Il y avait une telle lumière qui est sortie de son bras que toutes les prostituées sont rentrées dans leurs draps et sont rentrées dans les maisons. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit. Dans le monde d'en haut, dans le monde de la Kdoucha, là où on s'élève à un très très haut degré, le Yetzerara, il est au garde à vous. Tu montres une femme nue, un pied, une main, ça fait rien. Mais dans le monde d'en bas, dans le monde de la matière, notre corps est attiré vers des pulsions. Au niveau de l'intellect, chers amis, takshivu tov, quand vous analysez un viol, c'est quoi un viol? C'est un mec qui va passer 15 ans de sa vie entre quatre murs pour 2-3 minutes de quoi? D'une pulsion qui en réalité est une clipa qui est à l'intérieur. C'est une folie. Qu'est-ce qu'une faute? C'est une folie qui a pénétré l'homme. Le problème des pieds, c'est qu'il y a une impureté qui est tellement forte à l'intérieur des pieds que cette clipa peut attirer la clipa de l'autre comme un aimant qui, sans comprendre, nidbakim zebazim. Donc la Torah nous dit, femmes d'Israël, couvrez vos pieds. Pas parce que les pieds sont attirants. Les pieds, c'est des mains qui vont par terre. C'est quoi le pied? Dans les pieds, il y a une touma qui attire comme un aimant la touma de l'autre. Ça veut dire que si l'homme n'est pas pur en face, il peut en arriver à cela. Par exemple, la femme de Tournous Rufus, qui s'appelait Rufina, quand elle a dit à son mari, Tournous Rufus, « Dis-moi, si je te mets Rabbi Akiva, ouais, à quatre pattes par terre, nu, et que je le chevauche dans les rues de Jérusalem, c'est bon pour toi ?» À qui elle avait fait cet exercice-là? À Aristote. Aristote. Elle était d'une grande beauté et savait que le point faible des hommes, c'était le derrière de la femme. Elle s'en jouait. Et elle a mis Aristote à cheval, nu, l'humiliant en public, et Aristote a dû fuir. Elle connaissait le point faible des hommes. Les hommes ont des points faibles. Il y a des hommes pour qui le point faible, ça peut être tel endroit de la femme. Pour d'autres,
tel endroit de la femme, et pour d'autres, les pieds d'une femme. Vélachène, étant donné qu'on ne sait pas sur quel regard on tombe, la femme qui empêche un homme de tomber est digne de toutes les louanges, parce que si elle le fait tomber, ça c'est une halakha, ce que je vous dis, c'est le Shulchan Aruch. Vous regarderez dans le Ilkout Yosef aussi, Ilkhot Ishu du Rambam, une femme qui fait tomber un homme de par sa beauté, toute la vérote qui vont s'en suivre, ça veut dire que l'homme il va faire Zera Levatala, ou il va tomber, là. Toutes ces fautes et ces démontrées par l'homme reviennent sur la tête de la femme qui a fait tomber ses hommes. Elle paiera pour chaque œil, dit le Rav Yitzhak Yosef, qui a regardé ses interdits. Alors imaginez maintenant, quand on parle de Facebook, vous avez bien compris, tous ces décolletés, je me montre à la plage, et les gens qui me regardent, end sauf. Et après, les gens, ils grandissent. Ils disent, je ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs, pourquoi je suis dans le problème, pourquoi ceci, pourquoi cela. L'âme retire. Là, il y a une femme qui m'a écrit la semaine dernière sur la pauvre. C'est une femme sur WhatsApp qui m'envoie une question d'Alaha. On voit sa photo. Je lui dis, Mechila, si vous voulez que je vous réponde, retirez votre photo de WhatsApp. J'ai envoyé comme ça vers toi, moi j'ai pas de problème. Si vous voulez que je vous réponde, retirez votre photo. Elle a mis une fleur marguerite. Et elle m'envoie, ça va comme ça? Je lui dis oui. Je lui dis, si vous étiez moche, je ne l'aurais pas dit. Aval, cette photo-là peut faire tomber et rêver des hommes. Zélo y a fait, je lui dis. Si vous croyez en Hachem, si vous avez de la Emouna, ne mettez pas la plus belle photo que vous avez sur WhatsApp. C'est pas joli. Parce que quand on compare votre photo à d'autres femmes, ou même à sa femme, chez l'homme, ça joue un effet beaucoup plus violent que chez une femme. Et si vous ne respectez pas ces règles, alors renseignez-vous de ce qui se passe à la Rabbanout. Aujourd'hui, les mecs n'ont aucun problème de laisser tomber leur femme parce qu'ils ont trouvé plus beau que leur femme, sans aucun problème. Aucun. Pas de problème de conscience, pas les enfants, rien. Ils n'en ont plus rien à faire. Voilà. Il y a un homme qui dit... Walia. D'après vos raves, l'amour d'un homme vis-à-vis de sa femme n'est que physique, en interrogation. Je pensais que c'était plus haut. Ça, c'est chez les hommes de votre niveau à vous. Apparemment, ce n'est pas votre avis. Non. Rabbi Akiva a déjà répondu à cette très bonne question. Moi, ce n'est pas une question d'avis. Ce que je dis, il suffit de sortir dans la rue. Il n'y a pas besoin de moi. Faut pas vivre comme un aveugle. Là, ce que le monsieur dit, c'est d'un niveau de nos grands-parents. Dans la rue, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Toutes les frontières ont été dépassées depuis très longtemps aujourd'hui. Il faut arrêter de se leurrer. Mais par contre, Rabbi Akiva dit quelque chose de très beau qui répondra à ce qu'il vient de dire. C'est que si un homme qui était marié avec sa femme a trouvé plus beau que sa femme, c'est qu'il n'a jamais réellement aimé sa femme. Ça veut dire que Bevadai, qu'un homme, il doit avoir, c'est ce que j'expliquais au début du shiur, le corps est mensonge parce qu'il cache la vraie beauté de la femme qui est son âme, ses midot, ce qu'elle représente. Mais malgré tout, venez au bureau voir ce qui se passe et vous verrez que la majeure partie des couples où la femme vient mort avec des larmes, c'est parce que le mec il est parti, parce qu'il a trouvé une plus jeune et plus jolie. Enfin, j'invente rien, hein, tu le sais, t'es avec mon bureau. C'est toute la journée, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez au Bedin, allez voir, allez vous renseigner. Il faut vivre dans un monde. On n'est pas dans un monde de bisounours. On a un monde de réalité. Dans la réalité, c'est ce qui se passe. Combien de femmes ont pris sur elles la tzniut? Elles se sont couvertes la tête. Elles ont mis des. Et le mec, il veut que sa femme, elle reçoive des vêtements de prostituée. Il exige ça. On est dans cette génération rabotale. Et tu le sais bien, toi-même, c'est toi qui parles avec elle et que tu me dis qu'est-ce que je lui dis. Combien de femmes ont pris sur elles d'être pudiques, que le mari exige que sa femme soit en jupe courte et sans qu'il souille, elle sort avec tous les décolletés, j'ai pas envie d'avoir ça à la maison, sinon je te trompe, sinon je te quitte. C'est carrément des menaces de divorce parce que la femme elle est pudique. Donc imaginez qu'un mec il est capable de casser son foyer, ses enfants, voilà, parce qu'il a une femme pudique. Alors imaginez combien un homme peut être bête et animal. Donc votre question n'est vraiment plus d'actualité aujourd'hui. Rares sont les hommes qui sont encore en route. Non, à Mordechai et pas à Yaakov. La Torah, quand elle donne des lois, elle les donne pour tout le monde, que tu sois pieux ou pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais n'oubliez jamais un détail. Et je vous laisserai avec cette phrase parce qu'il est vraiment tard. Homme comme femme. Tu vois, il y a des gens qui sont même tellement bêtes que quand tu raccroches, et ben tiens, je vais réessayer, dis donc. Ils ne disent pas, peut-être que, je rappelle, dans 10 minutes, peut-être qu'il y a un truc. Juste pour finir. Je vous donne juste un conseil d'ami. Un conseil de la Torah, en réalité. Parce que mon meilleur ami à moi, c'est la Torah. Ne sous-estimez jamais votre Yetzer Hara.
Parce qu'il est rare de rencontrer des gens qui disent « Ouais, ouais, j'avais tout fait pour y arriver. » Très souvent, on tombe et on dit « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » Tu as commis juste une erreur. Tu as sous-estimé ton Yetzer Hara. Alors fais-moi plaisir. Quand on te dit « Roule pas trop vite, roule pas trop vite. » Quand on te dit « Prends pas à droite parce que c'est un sens interdit, prends pas à droite. » Ouais, mais il n'y a personne. Ouais, mais d'un coup, tu t'y attendras pas. Il y a une voiture qui va tourner, tu vas te retrouver face à lui. Qu'est-ce que tu vas faire? N'attendez pas l'accident pour dire « Mince, j'avais pas vu le coup venir. » La Torah, elle te met en garde. « J'ai donné la vie, j'ai donné la mort. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal. » Ou « Bahar Tabahay. » Dieu te dit juste « Sois prudent. » Quand on te dit « Altar Besicha Imaïcha », ne parle pas trop avec les femmes. Les femmes n'ont rien à faire à Facebook, sur Facebook, avec des mecs en train de parler. Mais c'est quoi ce délire? C'est honteux. Mais dans les temps modernes où on avait tellement de frontières aujourd'hui, eh bien même divorcer, c'est devenu une culture. Tu rentres dans une salle, tu dis « Qui est une femme divorcée ?» Plein de mains qui se lèvent. Et quand tu entends les « Pourquoi des divorces ?» Hachem Yishmor Lior. C'est pas tout le temps de la faute de l'homme, ça peut être aussi la faute de la femme, mais ce qui est certain par contre, c'est que la Torah aura toujours raison. Kol tov v'erev tov.